Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Patrimoine et tradition, tous les vendredis soirs de 22h. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Patrimoine et tradition, tous les vendredis soirs de 22h à 2h, rien que pour vous. Tradition. 25 ans déjà, un quart de siècle au service de la culture berbère. Bon anniversaire. Voilà, il n'a fait un dîner à Zoul, un sophis, un ten merci, un gazer à Dekem, un situer à Armatagar, un nouveau, un guinard, un dîner, un dialtama, Paris, Marseille, Canada, américain, un mort un peu partout. Et bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Bien sûr, c'est les 25 ans de cette émission Patrimoine et Tradition. Il y a beaucoup d'invités, femmes, hommes, enfants. Le couloir, les studios, ils sont pleins ce soir jusqu'à 2h du matin. Alors, HS Niner, tout simplement, je les aime tous. Merci, franchement, ça fait chaud au cœur. Ils sont tous là, ils sont venus de partout. Et ça m'a fait vraiment... fait plaisir, et ce soir ils seront là, ils vont tous dire un petit mot. En attendant, je vous laisse écouter nos deux mascottes, bien sûr Asma et Fela pour le journal, ensuite Adnourad Alwatassin Vigaoun jusqu'à 2h du matin. Bien sûr, Zmermet Siboulim, Zmermet Kimdin Nouva pour dire ce que vous pensez tout simplement de cette émission depuis 25 ans. Les infos de patrimoine et tradition avec Asma et Fela. Bonsoir à tous. La gendarmerie peine à se réimplanter en Kabylie. Pointée du doigt lors des dramatiques événements de Kabylie d'avril 2001 qui ont fait quelques 120 morts et plus d'un millier de blessés, la gendarmerie nationale a toujours du mal 13 ans après à reconquérir le terrain perdu. À Dizi Ouzou, ce corps de sécurité ne couvre même pas la moitié du territoire de la wilaya. Sur les 14 brigades fermées depuis 2001, seules deux ont rouvert leurs portes. Elles font partie d'un projet de réalisation de 10 brigades, lancé depuis 2007, qui tarde toujours à se concrétiser, mais il table sur l'ouverture de 3 autres brigades d'ici février prochain, ce qui portera la couverture sécuritaire des hommes en vert dans la wilaya à 40%. Les cheminots victimes de terrorisme se révoltent.
Le réseau ferroviaire risque une fois encore de connaître des perturbations qui ne seront pas du goût de ses nombreux usagers. Les cheminots victimes d'actes terroristes se rébiffent, lassés d'attendre la satisfaction d'une seule et unique revendication depuis plusieurs mois, ils ont décidé de se passer des correspondances administratives et aller vers la confrontation. La direction générale s'est engagée, par écrit, à répondre favorablement à la revendication dans les prochains jours, confie le porte-parole des cheminots. 18 000 recrutements par Internet en 2013. En 2013, le recrutement par Internet a continué de progresser avec une part de marché qui s'élève à 80% du total des annonces d'emploi diffusées sur les médias. Après avoir confirmé sa position de premier média de recrutement dès 2011, le e-recrutement continue à progresser d'une manière exceptionnelle. Le challenge pour 2014 sera celui de démocratiser le recrutement via le web pour tout type d'entreprise et de poste. C'est ce qui ressort d'un rapport annuel du groupe Emploitique.com, le leader du recrutement sur Internet en Algérie. Selon le même document, le département veille d'Emploitique.com a enregistré en 2013 plus de 18 000 annonces d'emploi publiées sur les 12 plus importants supports médiatiques, dont 6 sites Internet et 6 quotidiens nationaux. Présidentielle 2014, 72 retraits de formulaires et 15 prétendants à la candidature. 10 jours après la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 17 avril prochain, 14 personnes sur les 72 ayant retiré les formulaires de candidature ont annoncé se porter candidat alors que la classe politique reste partagée entre ceux qui appellent à un quatrième mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika, ceux qui ont décidé de boycotter l'élection et ceux qui attendent pour se déterminer. À 2 mois du début de la campagne électorale et à 36 jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, 5 chefs de partis politiques ont décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Les candidats qui ont déjà participé à la dernière élection présidentielle, notamment Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Moussa Touati du Front National Algérien et Ali Fawzi Rebaïn du parti AHD 54, ont déjà annoncé qu'ils s'engageraient dans la course pour la présidentielle. Et maintenant, je vous laisse avec Asma pour la page Sport et Culture. Transport mondial de volleyball. Le tournoi qualificatif délocalisé à Harsha. Le tournoi international de volleyball senior dame zone 1 qualificatif pour le mondial 2014 se déroulera à la salle Harsha à Alger du 23 février au 2 mars 2014 et non à Chleuf comme prévu initialement. Le vainqueur de la poule B sera qualifié pour la phase finale du 7e championnat du monde de volleyball féminin 2014 qui se déroulera en Italie du 23 septembre au 12 octobre prochain. Quant aux matchs de la poule A, ils auront lieu du 16 au 26 février à Nairobi au Kenya. Mondial 2014, les Verts au RC Sport de Sorocaba. En prévision de son séjour au Brésil pour participer au Mondial 2014, la sélection nationale de football a officiellement opté pour le complexe du RC Sport de Sorocaba, situé à 100 km de Rio de Janeiro. Ce centre, qui est en pleine construction, dispose de 5 terrains d'entraînement, une piscine, une salle de récupération et de musculation. Il sera aussi doté d'un hôtel de grand standing qui arbitrera la délégation algérienne. AS Roub, Bourza, nouveau président. Ce n'est que mardi soir que le CSA AS Roub a fini par connaître son nouveau président. À l'issue de l'assemblée générale élective qui a regroupé 80 membres, qui a donné son quitus au candidat Salim Bourzar, ce dernier, qui est directeur d'école, a convaincu les membres de l'assemblée générale par son discours franc qui tournait autour de son amour pour le club. Il a été élu par 60 voix contre 18 pour son concurrent Benjaballah. Transfert Antar Yahia en Grèce. L'ex-international algérien Antar Yahia vient de s'engager pour 6 mois avec le club grec FC Plantanier en première division. Pour rappel, Antar Yahia a récemment résilié le contrat qui le liait à l'ES Tunis. Annoncé en Algérie à la JSK, à l'ESS et au CSC, Antar Yahia, 32 ans, a préféré retourner en Europe où il avait fait l'essentiel de sa carrière avec l'Inter de Milan, le CS Bastia, l'OGN, Nice, etc.
en culture. La petite Venise d'Andrea Serge. Mardi soir, l'Italie était à l'honneur cinématographiquement parlant à l'occasion de la deuxième édition des Journées du film européen d'Alger se déroulant du 23 janvier au 1er février 2014 à la Filmathèque de Mohamed Zinet à Riyad El Fetch, et ce à travers La petite Venise dont le titre original est Io non so lì, du réalisateur Andrea Segre, âgé de 38 ans. L'Orchestre Symphonique National invite Semir Toumi. Élégance, grâce et authenticité, tels sont les maîtres mots qualifiant la performance du chanteur Semir Toumi, qui n'est plus à présenter. Il était l'invité samedi soir à l'auditorium de la Radio Nationale à Alger, et ce au grand bonheur des mélomanes et autres amateurs de bonne musique algérienne et universelle. Il était accompagné par le Big Band de l'Orchestre Symphonique National, sous la direction du maestro Rachid Saouli, sous la houlette de Abdelkader Bouazara, directeur de l'OSN et la chorale polyphonique d'Alger. Contre toute attente, Semir Toumi assure vraiment. Il a offert un récital plutôt algérois, berwali et immanquablement festif et jovial. C'est ainsi que s'achève le journal. Retrouvez Mohand pour la suite du programme. شرقيت يا وسيم
وتسحر ريحة الزلازل
مصيلة تغور الزوال يسمي تزوم الرم تمصل أزوم سمع أكمي بجش ودوم ألم من تقلب بالطبل أرب لك ميغان زوم أرب لك ميغان فوم يفيدنا يصعب بصعب شوية شوية تولينا ذي اللوم شبح من تفسن الدفن أني مغورة أني كنوم استعبك السلاح اسم الروال C'est bon, la musique kabyle. Moral riche. Patrimoine et tradition. 25 ans déjà, un quart de siècle au service de la culture berbère. Bon anniversaire. Oui, bon anniversaire à Mouliam Ghez. Rebonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Elles sont nombreuses et nombreuses, bien sûr. Nombreuses surtout. Elles sont dans les studios Asma et Fela, que vous avez l'habitude d'entendre, d'écouter. Alors, elles vont aller nous concocter des informations un peu partout. Alger, Tizi Ouzou, Oran, elles sont là aujourd'hui. Alors, je vais leur dire Azoul, bonsoir, Fela, Asma. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien déjà? Oui, très bien. Ça va. C'est vrai? Oui, oui, toujours bien. Vous êtes en forme là? Ouais. Il y a également Baya. Assalamu alaikum, je suis contente pour l'anniversaire Radio Pluriel. C'est vrai? Ah, bien sûr. Les Algéroises, ils ne savent pas faire des yoyos. Ah non. C'est vrai. Non, mais les yoyos d'Alger, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas les mêmes. Ils sont pointus. Ils sont comment? Ils sont plus pointus. Vas-y, c'est plus précis. Fais-là un petit truc. Essaye. Ah non, j'ai jamais fait. Pourquoi tu me dis qu'ils sont pointus alors? Essaye. Alors, il y a mon ami, il m'a fait plaisir aussi. C'est Mouachir qui est là. Salut mon ami. Comment tu vas? Ah oui, il n'entend pas. Alors ça va. Aujourd'hui, on va essayer d'être cool. On va essayer de donner la parole à tout le monde. Essayez de me critiquer. J'aime bien parce que... Mais il a qu'un hachat les éloges. T'aimes pas. Voilà l'ami. Eh bien, Chakina Mohamed Zufilech, je souhaite bon anniversaire à ton émission Patrimoine Tradition qui existe depuis déjà 25 ans. Donc, grâce à cette émission de vendredi, grâce à ton talent, les Kabyles, soit de Lyon, de France, d'ailleurs, et ils ont écouté la radio pendant 25 ans. Ça nous fait plaisir d'écouter toutes les infos que tu nous ramènes d'ici et là sur la culture et le patrimoine berbère en général et kabyle en particulier. Donc, je suis venu à Foudégazin. Ça fait plaisir d'écouter ton émission et de venir te gêner quelquefois ici à la radio. Donc, je suis venu à Foudégazin. Pardon, tu m'as dit gêné? Oui, je viens de gêner tout le temps, oui. Non. C'est vrai, oui. Non. Je viens de gêner. Ah, d'accord. Ça me ferait voilà. Plaisir. En fait, tu me dis, viens quand tu veux. Mais donc, c'est moi qui te demande. Voilà, donc j'ai qu'à dire, je viens te gêner. Eh ben, donc, je te remercie pour toute... Donc, tu seras là vendredi prochain. Il n'y a pas de problème. Okay. Je serai là quand tu veux, jusqu'à l'éternité, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, tu es bienvenu, mon ami. Alors, on a un appel en direct de Rennes. Il nous écoute, c'est Rennes, Bretagne. C'est les Kabyles de Bretagne. C'est Dali Mamri. Dali Mamri, voilà. On va lui dire Azoul. Salut Dali. Allô, Azoul Mohamed. Comment tu vas? Azoul Mohamed, c'est Mouliam Amgaz.
C'est pas possible. Oui, hein. Ça fait 25 d'aller 89. 25 ans, et on est qu'un jeu. Enfin, je me rappelle, il y a 15 ans, je me rappelle d'avoir fait une émission au pied levé, oui. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était, c'était le moment né, là, le congrès mondial Amazigh à Lyon. Voilà, c'était le moment du congrès mondial. C'était en 98. On a fait ça au pied levé, c'est une émission que je n'oublierai jamais. Et là, c'est une radio, à chaque fois que je le peux, quand tu le sais, qui dit pluriel Amchma, quoi. Et puis j'aime tes coups de gueule. En fait, des fois, tu es un peu excessif, ouais. C'est le reproche que je te fais, mais c'est-à-dire que Radio Pluriel, elle a un cachet. Je le prends bien. Tes coups de gueule, au fond. Je le prends bien. Oui, je le prends bien parce que. Il a tout la frôle, non? A qui est-ce que nous avons Maka Avevi et Gounina Maka Erol? Ou la Bahamsa Ouachinsina, c'est une belle tranche de vie. Naja, Adalit Sildrid. Naja. C'est vrai, j'ai ce côté-là, mais c'est-à-dire, là où il y a les coups de gueule, par moment, il le faut, franchement, parce que il faut bousculer les choses. C'est un petit clin d'œil amical que tu te fais, quoi. Oui, non, mais je le reconnais, je discutais tout à l'heure avec mes amis. Avec mes amis tout à l'heure, les chroniqueurs. Voilà, on l'aime ou bien on l'aime pas. Je leur disais, qu'est-ce que vous en pensez de mes coups de gueule? C'est vrai, je le reconnais, mais je suis honnête, je suis juste. D'aller. Oui. Azul Flech. Azul, Mohand, 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 شغل بشك دا عندنا كاين مسليه فاف محمد باش تصهمت بيان ما تبغي غادي لي محمد اوترومون اي فو لو ميتر على التلفزيون الجيريان نهار على الراديو الجيريان فوالا سي سامبل ما تبغي غادي لي اوترومون ما تبغي غادي لي اوترومون ويث ويث لا راديو الجزائر غادي لي اوترومون يا با بروبليم voilà, donc ce qui est bien avec Mohand, c'est que il dit tout. Voilà. Je peux pas dire tout là-bas. Vous êtes fou, voilà, exactement. Donc la Radio Pluriel, il permet de dire tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Au avec, fait, avec respect. D'après ce que je connais de Mohand, ça fait pas longtemps que je connais Mohand. Depuis le peu de temps que je connais Mohand. Au fait, il fait des critiques constructives. Machid Tmsrer, Magdini Hadja Mohand, c'est qu'Israël Washutidina, au fait, c'est son domaine, ça fait depuis 25 ans, n'a plus ses micro-démédés le domaine acquis. Donc, il sait pourquoi il dit une phrase, il dit une autre phrase, Yalem. C'est une critique pédagogique, constructive, au fait, pour expliquer aux auditeurs. Le معنى الحاجن الحاجة النظام voilà donc كيني les coups de gueule Mohand ça me fait plaisir merci eh ben oui ce côté là voilà. c'est bon ama kagida kini ساق je pense à كني un poème de René Char en parlant d'homme qui n'a pas de défaut qui n'a pas de faiblesse qui n'a pas de truc il n'est pas l'homme qui n'a pas de défaut il ne m'intéresse pas c'est comme une montagne sans crevasse. Oui, ça hadda, merci beaucoup. On a beaucoup d'archives à vous faire passer ce soir. Idir et Minglet, Noara, il y a pas mal, donc on va essayer de vous les passer petit à petit tout à l'heure. Yak. Et par contre, Nkini, avant de te quitter, je vais te poser une seule question. Oui, hein? Je suis là pour ça. Faites ce que vous voulez de moi ce voilà soir. La voilà la question, Nkini, que je te pose à Radio Pluriel. Il y a
En 25 ans, il y a Ghana. C'est un peu difficile de le dire. Et Annie, quelle est l'émission, quel est l'invité qui t'a le plus marqué dans ta carrière, ces 25 ans? Quelle est l'émission qui t'a laissé, Annie, un souvenir indélébile? Alors, 25 ans, c'est oui. Hein? Alors, l'émission... Ou peut-être plusieurs émissions. Peut-être que tu ne peux pas dire plus qu'une seule émission. Disons 10, si tu devais établir un top 10. Hein? Alors, un top 10, je vais dire. Voilà. Alors, alors d'abord, il y a une émission qui m'a vraiment marqué à jamais. Khasmei Lahmra Stok. Même si j'aime beaucoup les émissions, mais si j'ai à choisir la meilleure émission, pas par le contenu, hein, mais elle m'a laissé un grand souvenir. Ce jour-là, on avait invité Azdine Mdour Agri Kamel, celui qui a réalisé le film La colline oubliée. Non, pas La colline oubliée, La montagne de Baya. La montagne de Baya, on avait reçu Akim 3 jours à Lyon. Nkegel Kamel, bien sûr, hein, j'étais pas tout seul. Hein, on avait réalisé une très très belle émission. Et Asmi Yoral, en Algérie, il a été interviewé la chaîne algérienne, la télévision, la radio. Et quand on lui a posé la question, sur la tournée en France, la communication, les médias, tout ça. Je garde un souvenir inoubliable. J'ai passé 3 jours à Lyon avec Kamel et Mohand. Inès, pour moi, c'est inégalable. Ça, j'ai écouté. C'est-à-dire, sur le coup, quand on a fait l'émission... J'ai pas. Je découvre l'homme après. Mm-hmm. On a découvert cet homme après Moutater Ahmarbi, ça m'a vraiment attristé. Après, il y avait l'émission où tu m'as chanté chez les Froudins, mais yo, je vais pas l'oublier. Ah oui. Eh oui. Tu m'as chanté Sherif Khaddam. Il y avait l'émission de. On a parlé de Del Moulouda Akhlubabad. Le Hadj Salem, je ne vais pas oublier des émissions comme ça. Ils sont là, ils sont archivés. Il y a l'émission de Degen Memli, il y a l'émission de Ban, il y a l'émission de Idir, il y a celle de Lounisiet Mingilat, il y a Germain Tillion. Germain Tillion, c'est une grande dame. On ne peut pas oublier. Voilà, Germain Tillion, oui. Et par contre, Mohand, Dani, je vais te poser une question, Dani. C'est la deuxième question. Est-ce que vous aussi? Dani, en 25 ans de carrière avec Anna, quelle est l'émission qui a été un flop, une catastrophe? Alors, il y en a plusieurs d'ailleurs. Machikani, non, mais il y en a plusieurs. D'abord, au début. J'arrive, je débarque, c'était pas vraiment, c'était vraiment des flops, quoi, parce que je connaissais pas beaucoup de monde, j'arrive, je débarque comme ça dans une radio française, il y avait une émission kabyle, pour moi c'est tout un autre monde, mais effectivement, il y a eu des émissions, comme tu dis, je ne sais pas si on peut appeler flop ou pas, mais on a beaucoup de souvenirs, mais aussi des souvenirs qui fâchent, quoi. Tu sais, quand tu dis à un chanteur, au Sindara Chino, la voix, écoute, il a carré la chanson, t'as pas une belle voix. Et il va aller sur des réseaux sociaux pour t'insulter, pour dire des horreurs sur toi. On revient à cette grande gueule, c'est ça. Est-ce que j'ai pas le droit de dire à quelqu'un que tu ne sais pas chanter au Sardin une belle voix? Moi, c'est par honnêteté, je suis sincère de dire à quelqu'un, écoute, je préfère à se dépenser de l'emniquer ou à marrer la chanson. Khatar Maïla Tsaad, 20 ans, 18, 19 ans, je peux t'encourager, Bajat Chnod. Mais Maïla Tsaad, 50 ans,
Aïe, 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 il faut dire la vérité. Même si des fois elle fâche. Oui, oui. Oui, attends, des fois, il y a la manière de le dire aussi, à Mohamed. Oui, mais. Il me donne une génération qui t'en directement plusieurs fois, une fois, deux fois. Mais mazel, Katna Guitar, mazel. Alors, est-ce que la chanson a besoin de ces gens-là? Non, il faut. Balek Zmanard, Dawina, il est né dans d'autres domaines. Bien sûr, bien sûr. Mais. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça. C'est vrai, il y a deux ou trois émissions qui ont matché à ça. Parce que moi, je suis modeste, je vais rester modeste. Hein. Je ne suis ni un musicologue, ni un. Mais. En 25 ans de carrière, Zmarak Dinawi Nissina Dishino, Zmarak Dinawi Nissina Dishino. J'ai une oreille, je peux le dire aujourd'hui, je vous le dis, Ahmed Limoud, Ahmed Azawel, Ahmed la musique, Ahmed sa guitariste, sa façon de chanter, sa voix, je peux le dire. Après, on n'est pas prêt d'accepter. Je ne veux pas abuser de ta gentillesse, je sais que tu restes avec nous. Qui va appeler. Et avec une semi-astre Zillamar, hein, et Radio Aguinan, pluriel, et voilà, hein, et puis, Flimak, pluriel, hein. Et il a fait la bonne continuation, à Foudigaz Mohamed. Merci, voilà. Merci beaucoup. Flimak, Flaoundina. Rahis Lamarbi. Allez, après à la khira. Merci beaucoup. Alors, Baya, avant de te laisser, parce qu'on va faire venir tout le monde. Alors, toi, tu es président d'une association à Lyon, tu es toujours invité à Radio Pluriel. Un petit mot sur cette émission. Alors, bien ou pas bien, Inik. L'émission, Inik, merci pour l'invitation, Idar Zamouh. Tu peux nous critiquer, hein, pas de souci. Alors, je suis très contente. Inch'Allah, Apoussi Gordon Fenech. Bon anniversaire. J'ai rien à dire à toi. Bon, continuation. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Au revoir tout le monde, les amis. Il y a à boire, il y a à manger, il y a tout. Alors, je reviens maintenant à mes chères chroniqueuses, Fela et Asma. On a l'habitude maintenant de vous entendre. Il y a du bruit, mais ça, c'est le direct. Oui. Alors, ça va faire un an maintenant que vous êtes. Un an, un peu plus. Oui, ça fait un an, oui. Ça fait maintenant un an qu'on est parmi. Un an. Comment vous êtes arrivé à la radio? Bah, je pense que. Bonne question. C'est vrai, comment vous êtes arrivé? Bah, moi, je vais te dire comment c'est arrivé. C'est quand j'ai fait un stage à Radio Pluriel, et puis c'était avec Bakari. Mm-hmm. Et je t'ai rencontré, Mohamed. Et le courant a bien passé, et puis je pense que tu m'as proposé de faire une chronique dans son émission. Je t'ai présenté Fela, d'ailleurs c'était sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a commencé à faire notre chronique et finalement, ça a été agréable. Alors de faire pour ça les gens qui ne connaissent pas la radio, le mouvement, alors comment c'est finalement, on annonce que vous êtes bien accueillis, est-ce que... Alors racontez-nous un peu votre expérience... Eh ben, notre expérience à Radio Pluriel, donc elle ne se limite pas qu'au journal, qu'à la chronique information. On fait aussi, il y a beaucoup d'événements que tu organises, donc on participe. Et comme aujourd'hui c'est l'anniversaire, il y a beaucoup de monde, c'est toujours agréable de voir du monde. Il y a d'autres émissions, on peut discuter, il y a le technicien, Ludo, on le voit. Toute une équipe quoi. Voilà, toute une équipe. Donc vous aimez bien. Ouais, exactement, c'est ça. D'ailleurs, on est encore là, donc... Donc, vous allez rester encore avec nous? Ben, j'espère. Vous êtes la relève, en fait. Si tu veux bien de nous... Non, vous êtes la relève. On est le futur de Radio Pluriel. Alors, justement, Fela. Oui. En un an, dis-moi, tu as appris quoi? Appris déjà à passer... Attention à ce que tu dis, il y a un docteur à côté de toi. Attention. Qu'est-ce que j'ai appris? Attention. Attention. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'a rien appris au sein de la radio. Non. C'est pas ça, c'est que je pense qu'elle a du mal à dire. Non, il y a tellement de choses que Comment vous préparez votre journal, tiens? Alors, on pioche un peu partout, les infos sur les journaux locaux d'Alger, d'Algérie, principalement Liberté.
Lointaine. En fait, on relaye l'information puisqu'on n'est pas sur le terrain. Si on avait. Voilà. D'accord. Justement, donc on utilise surtout les grands médias. Voilà, les supports écrits, quoi. Presse. Et d'accord. Voilà, on a essayé de faire notre petit résumé et vous présenter ça. D'accord. Voilà, donc. C'est comme ça, les coulisses de. Les coulisses de la radio. En tous les cas, moi, je suis content de vous avoir. Hein. Merci. Merci. Le plaisir est partagé. Et j'espère que vous allez rester encore un peu plus. Espérons. 10, 20, 30, 40 ans. Espérons. Hein. Pour les 50 ans de l'émission. Vous voir arriver comme quelques anciennes ici avec une canne, ça en ferait plaisir. Ouais. Alors, est-ce que notre docteur peut dire un petit mot? Juste un petit azul, un petit bonsoir comme ça. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, merci. Alors, dites-nous un peu, tu découvres un peu la radio? Est-ce que c'est impressionnant ou pas? Ouais, franchement, j'étais jamais allée dans une radio. En plus, j'avais l'habitude de les écouter vendredi soir chez moi. Et du coup, là, je suis là. Donc, ça me fait bizarre. Ah, d'accord. Donc, elle te prend en fait la tête, c'est vrai? Moi, je vais elles me disent, allez, tu nous écoutes hein, le soir. Alors, comment elles font justement? Bah, elles me disent qu'elles passent. Je sais plus si elles sont déjà passées en direct pour ouais. Les infos. Mais ouais, j'avais l'habitude de les écouter le vendredi soir. Et ça te fait quoi d'écouter ta soeur? Franchement, ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude d'aller toujours avec moi. Donc l'écouter à la radio, c'est vrai que c'est particulier. Moi, je l'ai vu hein, quand elle est arrivée. Elle est toute humide. Vraiment pas facile de lui arracher un mot. Hein. Bah là, je vois qu'elle commence à se lâcher parce que... Ah, mais sérieux, c'est un diesel maintenant. Tu peux compter sur lancer, moi. Donc, si un jour tu t'absentes, j'animerai l'émission. Ça. C'est quoi votre prénom déjà? Linda. Linda, tu fais quoi? Médecine, c'est ça? Ouais, je suis en première année de médecine et voilà, c'est pas facile. Dans 5-6 ans, on va t'envoyer des clients, t'inquiète. On fera la pub à Radio Pluriel. Allez, je vous laisse. Hein, allez boire un petit verre, un petit truc. Merci, joyeux anniversaire encore. Merci, Vela. Hein, ah oui, joyeux anniversaire. Vous faites partie hein, de l'émission. Merci, Linda. On va écouter un extrait de l'Unicef Miglet hein, qui est passé également sur cette émission. On va écouter. Ensuite, il y a Kamel qui va venir prendre le relais. Tiens, il est arrivé avant de lui laisser les boutons, la technique. Lui, ça va faire 17 ans maintenant qu'il est là. Il approche. Hein, il n'y a pas une grande différence entre 17 et 25. Mais 17 ans déjà, c'est waouh, c'est énorme. Alors, je vais lui dire à Zoud déjà. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends. Eh bien, Azoula Mohand, bonsoir chers amis auditeurs, bonsoir à vous mesdemoiselles. Bonsoir. Les voix de Radio Pluriel, les voix féminines qui nous accompagnent tous les vendredis soirs, vous et chers auditeurs et nous-mêmes. Donc Mohand, tu te rappelles, quand on regarde il y a 5 ans à peine, c'était les 20 ans, il y a une superbe soirée comme ce soir. Et quand tu regardes, ça passe trop vite. Trop vite. C'est comme si c'était hier. On était ici au même endroit, de la nourriture, des bonnes choses à boire, à manger. Et ce soir, voilà, on est déjà Mais tu as remarqué, il y a toutes les nationalités. Ah oui, franchement, c'est la France blanc, beurre. La France des couleurs. La France des couleurs ce soir est ici réunie, donc à Radio Pluriel, ça fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à la magie de cette émission qui a toujours été une porte ouverte, une passerelle entre la culture berbère vers les autres cultures, quelles qu'elles soient. Voilà, pour peu que les gens se respectent, quelle que soit l'origine de la personne ou ses pensées, etc. Ce qui compte, c'est le respect, le partage. Donc voilà, 25 ans, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette durabilité, cette durée, cette permanence, cette exigence de faire de la qualité, parce que s'il y avait pas de qualité, je pense que vous êtes d'accord les filles, hein, quand on fait de la qualité, ça dure, ça plaît aux gens. Si on fait des choses qui sont mauvaises, ça peut pas durer 25 ans. Exactement. Parce qu'il n'y a pas pire juge que le public, que les auditeurs. Donc, à une époque, les artistes qui étaient mauvais, on leur lançait des tomates. Et ben, à la radio, c'est encore pire parce qu'on voit pas les gens. On sait pas s'ils allument la radio ou pas. Mais heureusement, grâce à des spectacles, grâce à Internet, on le sait, grâce aux appels, aux jeux qu'on fait, les courriers qu'on reçoit,
Donc on le voit cette, on la voit cette audience fidèle. D'ailleurs on les remercie à Mohand à travers ces micros. Donc depuis 25 ans ils sont là et c'est grâce à eux qu'on est là ce soir et toujours dans ce travail fait avec le cœur. On n'est pas pollué par par le côté commercial, etc. Là, c'est des gens qui travaillent avec le cœur. Et je crois qu'on fait des choses encore plus belles quand c'est fait avec le cœur, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de, de jalousie, il n'y a pas de concurrence, etc. Exactement. Voilà. Donc, 25 ans, c'est l'âge parfait, Mohand. 25 ans, c'est là où on finit ses études, on commence sa vie professionnelle, on commence à se marier, faire des enfants, fonder une famille. Donc voilà, la radio, c'est vraiment le, c'est l'âge parfait. Donc ce soir, cet âge dynamique, etc., est bien représenté ce soir avec les jeunes filles sur le plateau, mais aussi avec tous les invités qui sont là-bas derrière, qui attendent le plaisir de venir partager un petit témoignage hein, ici en direct. Donc tout le monde ce soir va dire son petit mot apparemment. Oui, on va faire le tour de tout le monde. Ah bah oui. J'espère donc, que tu reviendras par là. Hein. Et oui, oui, je te poserai la question tout à l'heure si tu me le permets. Oui. On est là. Ça va faire 17 ans maintenant. Pour moi ? Oui. Ouais. Enfin, ensemble, je veux dire. Oui, 17 ans, quand je suis rentré à Radio Pluriel, c'était dans ton émission, Patrimoine et Traditions, donc un vendredi soir avec l'association Tileli à l'époque, une association culturelle qui faisait des événements autour de la culture, etc. Donc, grâce à l'association Tileli, donc, qui faisait des activités le dimanche à la maison de quartier Claude Farrer. Donc, on a découvert qu'il y avait cette radio. Voilà. Au départ, il y avait notre ami Hamid qui était là aussi. Et donc, franchement, c'était tous les week-ends, on attendait avec impatience cette belle émission. Et moi, j'étais un petit jeune, voilà. mais j'ai pas trop changé. Non, mais c'est en fait, c'est pas cette question que j'allais te poser. Non, je voulais juste savoir le bon souvenir ou le pire souvenir que tu as gardé depuis. Bah le, on peut pas faire une sélection comme ça. Une émission que t'as gardé comme ça dans ton cœur. Bah toutes parce que sinon je vais me faire tuer par les auditeurs. Mais moi, ils vont pas venir m'écouter dimanche. On vient de me poser la question et je suis sûr que tu vas l'oublier cette émission. Ah il y en a plein moi des émissions non, tellement on en a fait. On en a fait le vendredi, on en a fait le mercredi. Non, celle-là il est exceptionnel. Le dimanche. Mais on a fait des émissions vraiment énormes et je pense que une des émissions les plus exceptionnelles qu'on ait pu faire. C'était quand même une première dans ce milieu, on va dire, berbère. C'était l'émission sur Igal Bouchen. Oui, celle-là, elle m'a beaucoup marqué parce que on a réussi à retrouver ses enfants qui habitent dans la région de Lyon, de Annecy. Oui. Voilà, son fils, sa fille. Ça, c'était vraiment incroyable de faire ça. Voilà. Sinon, toutes les autres émissions, Mohand, franchement. Mais tu te souviens pas de quelqu'un? Oui, il m'a marqué à vie. Hein. Asdin Mdour. Voilà. Ah bah oui, la montagne de Baïa, le réalisateur du film qui nous a quittés malheureusement. Il l'a dit très, à la très télévision beau film. Algérienne, mm-hmm. Kamel et Mohand, les trois jours à Lyon, et la cité de Amici, c'était vraiment... Moi, quand Asmi Mouth, j'étais vraiment triste. Mm-hmm. Franchement, je suis vraiment triste. Ah bah une petite pensée pour lui ce soir, monsieur Azedine Medour, donc grand réalisateur. Il est passé par là. Bah oui, bien tiens, sûr. Au Koubidat de Radarigon, on va passer un petit son de Vinicite Miglet et je te laisse la place et ensuite on va essayer de faire venir tout le monde. Avec plaisir. Un petit mot. C'est la Adel de Radarigon, je laisse Vinicite Miglet va nous dire un petit mot ensuite. On va allez. Reprendre les hostilités. Merci. Dans le cadre de cet anniversaire des 20 ans de l'émission Patrimoine et Tradition, nous avons le plaisir donc d'accueillir la plupart des personnes qui comptent dans le paysage culturel berbère. Et nous avons réussi donc à joindre la plupart d'entre elles. Notamment, nous sommes en ligne avec Monsieur Lounis Tomré. Si ce nom ne vous dit rien, donc je vous rappelle que tous les jours... Et toutes les semaines, vous pouvez le voir sur Berber Télévision. L'émission s'appelle Adal Plus, donc Sport B. Donc l'émission phare sur le sport, donc sur Berber Télévision. Et il présente aussi parfois le journal en tamazirt. Donc, Sénikan Azul Fles. Et qu'est-ce qu'il peut nous dire, la chose Mazar Dénerve, c'est Weltagina Nar, Gradu Pluriel, qui a maintenant 20 ans. Allô?
Allô, allô, Lounis. Allô, mais j'entends rien. Hein. Ah, d'accord. Est-ce que tu as entendu la question? Non, justement, j'ai pas entendu la question. C'est pour cela que je vous dis que j'ai rien entendu. D'accord. Eh bien, je vais répéter, d'accord? Ok. D'accord. Donc, je disais, dans le cadre de l'anniversaire de cette émission de radio sur Radio Pluriel à Lyon, qui s'appelle Patrimoine et Tradition, animée par Mohamed Amaloul depuis plus de 20 ans, nous avons le plaisir de contacter donc toutes ces personnalités que nous avons reçues ou que nous connaissons, et notamment Lounis Tomzé de Berber Télévision, si ce nom ne vous dit rien. C'est lui qui vous présente tous les jours une rubrique sur le sport et une émission hebdomadaire, donc Adal Plus, qui vous donne un petit peu toutes les informations à savoir sur le sport ici et là-bas. Mais c'est grâce à vous qu'on a des nouvelles sur la JSK. Je voulais vous demander à Monsieur Tomzé, à quoi vous fait penser l'émission de Mohamed Amaloul, puisqu'elle fête aujourd'hui ses 20 ans. Tout d'abord, bonjour. Je ne sais pas, je m'exprime en kabyle ou en français, si comme vous voulez. À Kinekiadj. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas grave. Donc, ce que je peux dire que sur Mohamed Amaloul, peut-être que même sur son émission, je suis un petit peu peut-être bien placé parmi ses amis avec qui il a travaillé, de parler un petit peu sur son travail. C'est quelqu'un qui aime faire de la recherche, il navire, il appelle les halles du navire, il veut qu'un la culture berbère, la façon, il y a la manière comment il fait la recherche, mais qu'il كانك دينير ثاني مسام قرنت في مسلينا جينا كي كي فون دوا او كور وقيلا ترى pour terminer pour se quitter ce je suis menève et cette vuelta gina CRZ نراك d'accord نراك à l'avenir comment vous voyez l'avenir de cette émission, qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter à l'avenir? Je regrette que le seul, ce qui m'a fait dire que le seul,
دينار وتنالين دينار في نمسا مزيان أخلاك نشو بيغدار ونبلا شكي ليب جينز مالسا سيرا وظاهرة كل محندة مدو كي بيكو ستي ميسيون إلا نفيرس إلا كتنالين نسالي لقيش مارد نخدم ديون لك تخم النار ونشتاكي ومحالنا نرشل بسنا قبليه غير بلك نشتاري كون شغلية ونفو الكنز مالسا ليني في الغرس يعني un grand courage, un grand courage aussi pour cette émission lui-même et pour moi qui suis le présentateur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à Mas Lounis Tomzé. On vous donne rendez-vous donc tous les jours pour une rubrique sport et toutes les semaines donc votre émission Adal Plus, donc le sport sur Berber Télévision, et aussi parfois voilà. Vous animez le journal. Et on vous dit voilà, à très bientôt. Mahir. On vous dit à très bientôt, Lounis. Merci, à très bientôt. Patrimoine et tradition, 25 ans déjà, un quart de siècle, au service de la culture berbère. Bon anniversaire. Oui, bien sûr, un quart de siècle, 25 ans, ça passe vite et on va essayer de sauver un soldat ce soir. Si vous habitez à Moucha, allez, vous nous appelez au 04 78 25 05 95. Mon ami Jean est là, il s'est posé des questions. Moi, je l'ai rassuré qu'à Moucha, c'est des berbères quand même. Je ne sais pas si tu connais un peu Amoucha, mais alors, je sais qu'il y a des amis d'Amoucha, ils vont nous appeler ce soir pour rassurer notre ami Jean Azoul. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Alors, on fait le tour. C'est une émission spéciale, vraiment exceptionnelle. Un plateau comme celui de ce soir, c'est la première fois que j'ai des animateurs, le gratin des animateurs de Radio Pluriel autour de moi. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que il y a toutes les nationalités, il y a tout un mélange dans le couloir, c'est formidable. C'est ça le pluriel. De vivre ensemble. Et vivre ensemble. T'as mangé un peu, t'as vu, c'est bon. Ah oui, plus que de raison. Alors, c'est très riche, hein, les macrotes et autres spécialités. Et c'est la première fois qu'on a réussi quand même à retenir le président, Monsieur Hervé, qui est là ce soir. C'est... Pourquoi tu dis la première fois? Ah ouais, Samy. Salut Borot. Salut. Bon anniversaire. Non, mais c'est la première fois que je vois Hervé ben le oui. vendredi. Ben oui. Ah, le vendredi, c'est possible, oui. Ben oui. Oui, mais c'est une fois tous les 25 ans. Ben voilà, oui. Notre ami Hervé, il est d'octobule. Il y a également... Mais Noël. L'émission aussi, donc ça tombe bien. Voilà. Ça va, Noël? Ça va très bien, merci. Bienvenue au club. Merci. Voilà. Alors, Hervé, Noël, Samy, un petit mot, je sais pas, sur les Kabyles de Radio Pluriel depuis 25 ans. Alors, Moi, tu vois, paradoxalement, j'ai vécu qu'une toute petite partie de ces 25 années, mm-hmm. puisqu'en fait, je suis arrivé à Radio Pluriel en 2005. 2005. Ça ne fait que 8 ans, donc... C'est tout récent. Je n'ai vécu qu'un tiers de cette émission, moi. Tu vois. Donc, je pense que tu dois avoir plein de choses à nous raconter. Il n'a pas connu les années du château. Alors, si, je vais demander quelque chose. Plein de choses que je ne connais pas encore, justement. Oui. Tu te souviens quand tu sersonnes avec Kate Maglet à la mosaïque? Oui, ça, je me souviens, parce que c'est récent. Tu as dit un mot en berbère? Oui, Azoul. Oui. Non, tu n'as pas dit Azoul. Azoul, dans mon âge, oui. Azoul, c'est dans mon âge. Parce que Jean-Luc, il va dire Azoul, Samy, va dire Azoul. Oui, mais pas me la faire. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout le monde connaît Azoul. En Kabyle, je sais dire Efkiye de Sordine. Oh là là. Alors là, Efkiye de Sordine, c'est vrai quand même. Efkiye de Sordine, donne-moi les sous. Eh oui. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je n'avais dit que ce mot-là, je crois, en berbère. C'est le seul que je connais. Non, Hervé. Kamel, il est témoin, tu as dit un mot, tu as souhaité la bonne année
en langue berbère sur scène avec Etmeglet. La bonne année. Oui. Ouh là là. Alors, tu avais dû m'expliquer comment on faisait, mais je me souviens plus. Il est dans la boîte. Il est dans la boîte. Il n'est pas dans la boîte. Oui, mais ah, oui. C'était le 14 janvier 2013. Et il a reçu même l'artiste Leonis Etmeglet. Kamel, t'as l'enregistrement de tout ça, Kamel? T'as l'enregistrement de... sur scène. Il a dit à mon berbère ou pas? Tu te souviens? Il a dit « Bonne année en berbère » avec Etmeglet. Hervé. Hervé Laurent? Moi, ouais, j'ai dit oui, ça. Oui, oui, il l'avait dit. Alors, je lui pose la question. Il me dit « Si, si, je me souviens, j'ai dit Azoul. Azoul, c'est ça. » Bah voilà. Et c'est enregistré ou pas? Attends, le journaliste du Progrès, ils étaient là, ils sont témoins. Bon. Et oui. Et il y oui. avait des vidéos qui avaient été enregistrées à l'époque. Ah, et on peut les retrouver sur Internet, normalement. Et sur Facebook aussi. Hein. Sur Facebook, oui. Où j'ai dit ça? Bon. Alors, tu as dit « Asgwas Amgaz ». Ouh là là, on a répété deux, trois fois. Ouh là 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 là. Je ne me souvenais pas, c'était il y a trois ans déjà. Ouh là là. Deux ans. Et non, je me souviens d'avoir interviewé dans ce studio le samedi matin, ouais. effectivement. Mais, oui, oui. mais là, on l'avait fait en français, moi je ne parle pas berbère. Non, mais en gros, en fait. Alors, voilà, un petit commentaire sur cette population ou ces émissions kabyles, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, moi, je pense qu'elle participe à la diversité de notre onde. On s'appelle Radio Pluriel, ça veut dire qu'on est pluriculturel. Les émissions kabyles en sont une dimension importante et essentielle, puisqu'il y a ben déjà il y a une ancienneté à l'antenne qu'on est en train de fêter ce soir. Il y a deux émissions kabyles en plus, puisqu'il y a aussi 17 ans, je crois. Il y a aussi celle de Kamel qui nous file un coup de main ce soir. Et puis, puis j'imagine qu'il y a une forte communauté kabyle qui vous écoute. Y compris par Internet, pas simplement par la FM. Oui, exact. Hein, voilà. Et ben, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait 25 années de plus. Oui, oh, merci, c'est 50. Hervé Laurent, le président de Radio. Vous allez le retrouver demain de quelle heure à quelle heure? De 10 à 12. En direct ou en live? Alors moi je suis en direct, mais mes invités ne le seront pas. Je diffuserai des interviews que j'ai dans la boîte. Ah, alors, dans la boîte, tu vois? Parce que ce soir on va se coucher tard. Voilà. Il est prudent de ne pas faire du complet direct demain. Voilà, matin. Voilà. Alors c'est quoi l'émission déjà? Pour les gens qui nous écoutent. De Lyon en large. De Lyon en large. Qui est un magazine demain. Culturel. D'accord. Donc vous retrouvez Hervé demain. Fondé par notre ami Hippo il y a quelques années. Voilà. Oui, voilà. Qui est sur Paris maintenant. Maintenant, oui. On fait le tour, Jean-Luc. Alors moi, j'ai un témoignage un peu différent de ma perception des émissions de musique, enfin des émissions kabyles qui parlent de Kabylie. Il y a deux émissions, deux approches différentes entre Kabylie en fait et patrimoine et tradition. C'est deux contenus bien différents. Il y a plus de musique dans l'une, moins dans l'autre. C'est fait pour, hein. Bah, c'est bien sûr. C'est pour éviter les doublons. Moi, je connais cette musique parce que j'ai beaucoup d'amis kabyles, mais j'ai des origines familiales aussi. Mon père est originaire d'une région d'un village où les kabyles sont assez présents. Et j'ai d'ailleurs, c'est un problème qu'on n'a pas élucidé. On compte sur les auditeurs pour savoir qui sont les habitants d'Amoucha. J'ai beaucoup fréquenté les bars kabyles pendant des années, à la Croix-Rousse, à Villeurbanne. Mmh. J'ai écouté cette musique, je connais plusieurs artistes. T'as fréquenté les bars pour boire ou non c'est un lieu de rendez-vous. C'est Jean-Michel Larcher. Non, mais dans... le gros mot. Tu devrais savoir en tant que... On peut aller dans un bar. De par ta profession, qu'il y a des lieux de sociabilité des communautés sur Lyon. Non, mais c'est une question innocente. Et les bars ont un rôle essentiel dans la diffusion de l'information. Il y a le téléphone arabe, mais aussi le téléphone kabyle, oui. Et ça se passe dans les bars. Voilà. Alors moi, je connais très bien ce monde. Je connaissais Rezac, qui était animateur ici. Il était déjà animateur à Trait d'Union. Voilà, je l'ai connu dans un bar à côté de chez lui, à Villeurbanne. Oui, exact. Alors, Rezac, il y avait beaucoup d'animateurs, hein, de nombreux. Radio Trait d'Union, ils étaient à Radio Canu, ils y sont encore, mais ça... Ça n'a pas duré. C'était l'émission qu'il y avait dimanche soir chez nous il y a longtemps, ça? Dimanche, non, dimanche, il n'y a que Kamel, je crois. Il n'y avait pas de dimanche. Cette émission, elle existe depuis les années 80, hein, pour votre information. La tienne? Celle-là, elle existait depuis les années 80. Elle était animée par un certain Hamid Toukal. Donc, moi, j'arrive en 89 exactement. C'était au château. Donc, Hamid...
il a changé d'horaire, de jour, donc il a repris le samedi, et moi j'ai gardé le vendredi. Mais c'était deux concepts différents. Parce que moi j'ai été contre le samedi, il y avait une émission sur Canu à la même heure, et celle de Pluriel, c'était pareil à la même heure. C'est de la concurrence mais, fratricide, ça. Déloyale. C'est pas déloyal. Non, mais c'est du gaspillage. Je pense que pour des raisons professionnelles, ils ne pouvaient pas faire le truc, c'est tout. Donc j'ai gardé le vendredi jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et moi, j'ai connu Rezac en 87. Qu'il devait être animateur. Très gentil garçon. Ouais. Et il est en Kabylie. Il vient de temps en temps. Il vient nous rendre visite jusqu'à... maintenant. Et je me souviens, moi j'ai des amis, alors maintenant les technologies du son ont évolué, surtout pour les enregistrements, mais qui attendaient avec impatience vos deux émissions pour enregistrer des chansons qu'ils n'avaient pas dans leur discothèque. Les cassettes à l'époque. Ouais, moi je sais qu'on nous écoute de la Guinée équatoriale. Mmh. J'en ai au moins trois qui m'écoutent là-bas. Tu vois ça sur le site web sur Internet. Oui, tu vois les... Via Facebook. D'où viennent les écoutes. Non, pas Facebook, ils écoutent sur Internet. Ouais. Hein, oui, Facebook, donc tu vois sur le site web d'où viennent les hits, en fait. Ouais. Ouais, ils nous appellent au Canada. Il y a un paquet de Kabyles là-bas, Paris, les villes de France, c'est partout. Donc, heureusement qu'ils sont là, les réseaux sociaux. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose, monde. Est-ce que tous les gens qui t'écoutent sont Kabyles? Où il y en a des gens qui essaient de découvrir autre chose. Justement, non. Regarde, j'invite des Syriens et j'étais là ce soir. On n'a jamais fermé la porte sur les autres, soit les arabophones. On n'a jamais fermé la porte sur personne. C'est vrai que le concept est franco-kabyle, mais quand il s'agit d'aider un enfant, soigner un enfant, Radio Pluriel... elle n'a jamais fermé ses portes, on a vu tout le monde. Attends, j'ai beaucoup d'amis français, françaises qui viennent dans mes émissions, des auteurs. Non, je pense que c'est juste le concept. Après, je ne peux pas dire non à une association de Saint-Priest ou de Lyon qui veulent passer un message. C'est impossible. Noël a une question, Noël. Voilà, Noël. Question. Allez, on arrive chez toi. Alors, Laurent, une question, c'est d'abord... on a dit un message de félicitations sincère, dans le sens qu'en fait ce que je trouve de beau, c'est qu'une émission comme celle-ci crée du lien. Ça crée du lien, et il y a cette proximité entre les Kabyles de partout, vous parlez du Calabar des Kabyles, et ça fait qu'en vérité, à un moment, on a le sentiment qu'ils sont tous présents à un moment, à un instant T, et ils vivent la même chose, et c'est très bien. Après aussi, dans le temps, je trouve que effectivement, 25 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées, et ça veut dire qu'en fait, il y a un travail de persévérance. Et c'est là où ça interpelle ceux qui, comme moi, arrivent à Pluriel avec un concept à peu près pareil, c'est-à-dire créer du lien, du rapprochement et encourager en fait les auditeurs à s'approprier leur outil qui est la radio, parce que la radio appartient à ses auditeurs. Parce qu'en fait, le fait de dire, c'est tout à l'heure que les auditeurs sont, il y en a qui sont en Guinée, outre-Atlantique, en France, dans plusieurs villes, ça veut dire effectivement que de partout, Radio Pluriel rapproche les gens et puis en fait, ils sont appropriés leur outil et c'est très bien. Maintenant, j'en viens dans, parce qu'il peut être dans une question pour Samy, c'est de savoir en fait, lorsque on ne comprend pas. Le Kabyle. C'est l'émission sous-titrée, en fait. Non, on parle dans les deux langues. Hein. D'accord. Depuis tout à l'heure, je parle... J'avais un bout de la réponse. Non, on parlait de la réponse. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, vis-à-vis du CSA, déjà, vis-à-vis de nos amis français, on n'a pas le droit de parler que le Kabyle. Mm-hmm. Je suis obligé de traduire. D'accord. Donc, on le fait dans les deux langues. Et alors, des fois même... dans les trois langues. Traduction, donc, pour ceux qui écoutent ce soir, Azul, ça veut dire quoi? Azul, ça veut dire bonjour. Tout simplement. D'accord. Jean-Luc, Samy, Hervé, ils connaissent que Azul.
depuis 25 ans. Moi, je ne connaissais pas, j'ai appris ce soir. Effectivement, je l'ai déjà entendu. Parce que, alors... Non, enfin, Jean-Luc, il a des ou des sordines dans les sous. L'association. Je l'ai entendu. Et il y a cette fierté qu'on retrouve toujours chez les Kabyles. En fait, on a l'impression que c'est une population particulière. Et, non, donc... c'est tout, tout le, c'est des les peuples minoritaires. C'est pas une fierté, c'est un peuple... qui est là depuis la nuit des temps. C'est le premier habitant de l'Afrique du Nord et du jour au lendemain, il se retrouve persécuté, il se retrouve... voilà quoi. Donc, nous sommes une minorité, on n'a pas nos droits, on se bat avec ce qu'on a. Hein, voilà quoi. Donc, c'est pas du tout une fierté. Hein, c'est des gens justes, c'est des gens qui se battent tous les jours. Pour leur culture, pour leur langue. C'est les premiers habitants de l'Afrique du Nord et la langue berbère qui est quand même reconnue au Maroc, en Libye, un peu partout, elle n'est pas inscrite dans la constitution algérienne comme étant une langue nationale et officielle. Alors après, on se pose la question, est-ce qu'on existe ou on n'existe pas? Donc ne sont plus les habitants de cette Afrique du Nord. Vous existez. Mais on fait ça pacifiquement, intelligemment, on va se battre encore. Et nous, on aimerait vivre dans une Algérie plurielle, l'arabe, le kabyle, le français. On se bat pour ces trois langues-là. Voilà, on n'est pas là pour... voilà quoi, c'est le mot d'ordre général, c'est ça. Alors, y a-t-il une différence entre le kabyle et les autres? Quels les autres? Je veux dire, les autres peuples. Quelle différence d'Afrique du Nord? Parce qu'en fait, là, on, généralement... Il y a la différence berbère... de culture, de langue, oui. Mais il n'y a pas une autre différence. C'est tout. Bah, je veux dire, il y a à peine 20 jours, notre ami Wiza Adadj, que je salue, elle est revenue du Sénégal. Elle est allée pour construire des classes, pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants du Sénégal défavorisés. Elle a été en Côte d'Ivoire. Elle est kabyle. On a été construire un hôpital avec des amis au fin fond du désert en Algérie pour qu'ils aillent faire leur dialyse là-bas. C'est grâce à un outil de communication comme la radio. Et on peut dire, bon, on habite en Kabylie, qu'est-ce qu'on va aller faire au sud d'Algérie? Mais non, on a un cœur, on aime les autres, mais en même temps, on se bat pour la sauvegarde de notre culture, de notre langue. J'ai voilà. La réponse. Est-ce que... Monsieur Larquet. Alors moi je m'appelle Samy, hein, je m'appelle pas Larquet. Moi j'ai trois remarques. La première c'est que vous tremblez. Non pas du tout, c'est tout simple. La première c'est que c'est détendu dans l'émission de Monde, alors que moi c'est le stress, voilà, course contre la montre et voilà. Donc je les persécute parce qu'il y a la boîte et voilà, ils sont sous tension. Donc bon anniversaire. Merci Samy. La deuxième remarque, donc 25 ans, c'est-à-dire des milliers d'interviews, voilà, enregistrées. Et j'ai retenu à l'esprit l'interview de Germaine Tillon que tu as faite. Elle est là. Voilà, extraordinaire. Une grande dame. Extraordinaire interview. Une grande dame. Ah oui. J'ai vu souvent chez elle, hein. Oui. C'est une grande dame. Ah bien sûr. Je suis allé plusieurs fois. Elle m'aimait beaucoup. Hein. Ouais. Moi je connais ses travaux. Elle est là, elle est dans la extraordinaire. Banque. Et troisième remarque, moi j'ai retenu une expression entendue cette émission. Tu as comparé la culture kabyle à l'Afrique de barbarie. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui, possible. C'est une belle image, une belle métaphore. Ouais. Voilà, j'ai remarqué ça. Parce que moi, ça m'arrive d'écouter aussi un peu pour m'instruire et apprendre. Je m'occupe pas uniquement de mon émission. Hein, pour oui, ton... bien sûr. Moi, j'essaie d'aider des collègues qui sont là, qui peut-être pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas bien sûr, technique ou les accompagner. Ben oui. On arrive quand même à se donner un coup de main. Bien voilà. Sûr. Donc les gens qui nous écoutent, il n'y a pas uniquement les musiques. Bah oui, voilà. Bah oui. Et c'est le concept de Sport Actu. Donc je rappelle pour les gens qui l'ont oublié. Donc moi, tu fais partie de la Dream Team Foot qui commente le grande foot. Gueule. Consultant foot. Qui commente le foot enfin, dimanche. Grande gueule. Hein. Qui commente le foot dimanche soir et bien sûr le concept Sport Actu. D'ailleurs, donc, Frédéric Paris, il l'a dit, il connaît rien au foot. Je connais rien au foot. Il a dit, c'est un propos célèbre de. D'ailleurs, il est dans la boîte. Hein, ouais. Et voilà. Et donc. Voilà, on collabore tous ensemble pour faire
de bonnes émissions et satisfaire les auditeurs. Il y a une chose que je voulais ajouter, parce que enfin, vous l'avez peut-être dit depuis le début de l'émission, puisque je suis arrivé en cours de route. Mais, t'as tort. Quand on parle de 25 ans c'est énorme, d'émission, hein. Il faut quand même préciser que c'est 25 ans d'engagement bénévole. Et oui, ça c'est nous, énorme. Nous sommes une, enfin, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas, nous sommes une association, oui. Nous ne sommes pas donc des journalistes professionnels, et c'est 25 ans d'engagement bénévole de la part de monde. Exactement. Et ça, c'est important à souligner aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment 25 ans d'engagement pour des motifs non financiers. Alors personnellement, moi, j'ai l'expression. Hein, donc, bon, Pascal disait que le moi est haïssable, parlait un peu de philosophie. Mais personnellement, je dis que nous sommes des animateurs citoyens. Au service des auditeurs. Quand on fait une émission pluriculturelle, c'est le cas, voilà. Bien sûr. Et même, généralement, le concept de la radio, c'est, nous sommes au service des autres. Oui, mais ça me paraissait important de le rappeler. C'est pas 25 ans simplement d'émission kabyle, oui. C'est 25 ans d'émission kabyle fait bénévolement. Exactement. Voilà. Et donc, Fred Paris vient d'arriver, et avec son mot célèbre, je le connais rien au foot. C'est une bibliothèque au foot. C'est une bibliothèque. Alors, tu te souviens de ce qu'il a dit la dernière fois? Ah oui. Alors, je ne sais pas si on peut on va lui laisser un peu la place. Oui. Mohan, pendant qu'il s'installe, oui. J'ai un petit son pour Hervé Laurent, c'est possible? Oui, bien sûr. Germain Tillon. Tu l'as trouvé? Pas Germain Tillon, mais ça ressemble. Ah. Allez, on écoute. Et pourquoi pour moi? Oui, pour toi, Hervé. Tu as dit un mot, je crois. Non, pardon, pas Hervé, monsieur le président. Allez, c'est parti. Donc, on écoute le petit son. J'en suis sûr que tu vas reconnaître. Je suis pas bon avec les chiffres, moi. Et donc, très populaire. Donc, ça s'est passé comme on avait espéré. Et nous avons donc la chance aujourd'hui, après une campagne de promotion qui a duré plus de 3 mois, depuis le mois d'octobre. Nous sommes arrivés au jour J aujourd'hui. Donc, ce soir, on attend tout le monde à la salle Mosaïque qui se trouve au centre de Saint-Priest, 47 avenue Aristide Briand. Voilà. Alors, 45 ans de carrière, bon, on va avoir du mal en une demi-heure à tout raconter. Mais bon, c'est quand même énorme. Ça a commencé comment au tout début? Ben, ça a commencé comme ça commence généralement, c'est-à-dire par une espèce de radio crochet à l'époque. Oui, c'était une émission amateur. En Algérie, bien sûr. À la chaîne, celle qu'on appelle la chaîne 2, la chaîne kabyle, en Algérie. Donc il y avait un grand chanteur de chez nous qui avait créé le concept. Et moi, bon, j'étais parmi les jeunes, j'avais 17 ans. Alors voilà, chers amis, c'était un petit son à partager parce que ça dure plus de 25 minutes. Alors, c'était quoi cette émission? C'était Aït Meguelet le samedi. Enfin, il jouait le soir à la salle Concorde ou Mosaïque? Non, Mosaïque. C'est toujours sur Internet. Hein. Si vous tapez Radio Pluriel Aït Meguelet sur votre moteur de recherche favori, vous allez le réécouter intégralement. Il n'a jamais été enlevé. Samedi 28 janvier 2012, voilà, entre 9h et 11h du matin. Donc il faut aller sur votre moteur de recherche habituel, vous tapez Google, Radio Pluriel. Ça s'appelle Google, voilà. Sur Google. Ça peut être d'autres, donc je dis habituel, voilà. Chacun choisit. Voilà. Et puis vous tapez donc Radio Pluriel Aït Meguelet et vous allez l'écouter effectivement intégralement. Alors, 25 minutes, tu dis, ça dure plus longtemps que ça. Juste un. Pour agrémenter cette émission, il y a des messages sur la page Facebook commune aux deux émissions. Et donc là, il y a une dame qu'on appelle notre mère Teresa Kabyle à Lyon qui nous dit « Bon anniversaire, Mohand et toute l'équipe. » Elle devait être là. Hein. Voilà. Et aux responsables de cette radio, grâce à qui j'ai pu faire passer des messages et des appels aux dons qui ont permis à des vies et de rapprocher des populations. Merci mille fois. Désolé de ne pas être avec vous ce soir dans la mesure où il m'est impossible de conduire la nuit. Donc encore une fois, joyeux anniversaire, signé Louisa. Une attestation, Louisa. Voilà, présidente de l'association Passerelle Humanitaire Internationale. Voilà. Voilà, merci Kamel. Alors, tu disais la bibliothèque du foot, c'est ça? C'est Fred Paris. Salut Fred. Fred Paris. Bonsoir à tous. Salut Fred. Bonsoir à toute l'équipe et bon anniversaire surtout. Merci Fred. Alors, c'est notre trésorier, il anime le jeudi soir une émission.
de musique américaine, la musique la plus populaire aux États-Unis. Et on te retrouve de quelle heure à quelle heure? 20h-22h. Alors, 20h-22h, Samy. Alors, voilà, donc on le retrouve jeudi 20h-22h. De la fin. Et de temps en temps dans Sport Actu. Eh oui. Ah. pour parler de cyclisme. Cette voilà. émission, c'est de la, ah. cette musique, c'est de la soul, non? Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique la plus populaire. C'est de la country music, monsieur. Ah bon. Ah oui. C'est la musique du foot américain. Eh oui. Non. C'est pas du foot. Non. Super Bowl, ça sera dimanche soir. Hein. Non, mais quoi, tu dis le cyclisme? Non, il est fort au foot. Ah bah oui. Ah bah dis donc, oui, ça, c'est une première, ça. Non, il m'a dit qu'il allait faire des efforts pour améliorer son niveau en foot. Ah oui. Bah, du coup, t'as fait quelque chose ou pas, non? Bah, il commence à regarder, à écouter Sport Actu. Si je m'intéresse, ça m'est arrivé de regarder une fois un match de l'équipe féminine de l'OL que je trouve beaucoup plus intéressante à regarder jouer. Il y a du jeu là. Bah oui. Là il y a du jeu. C'est ah oui, bien sûr. On va essayer. Dire, bien sûr, toi tu vas dire. On va essayer de les amener dans le studio. Oui, lui, ah ben là je viens là. Là ah, je lui, viens. Lui on regarde pas les garçons. Voilà. Il a cité le. Voilà, moi c'est normal, tu es content. Tu peux nous citer une joueuse Il n'y a pas une Sandrine, quelque chose, je crois. Bon Pasteur, oui. Il y a la Kabyle, Louise Anessib. Non, elle s'appelle Louise Anessib. On l'appelle Julinia. Louise Anessib. Alors, la même question. Alors, un peu 25 ans. Sur, non, pas sur les 25 ans, mais sur les émissions kabyles que tu retrouves, tu croises. Moi, ça m'arrive de t'écouter. Quelquefois, quand je traverse Longchamp en voiture, j'écoute ton émission. Je suis souvent séduit par les musiques qui sont programmées dans Patrimoine et Tradition. Et puis, c'est vrai que c'est un quart de siècle, là, déjà. Donc, c'est un petit moment d'histoire de Radio Pluriel qu'on a vécu ensemble. J'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais, pour ton investissement personnel ici à la radio, parce que Radio Pluriel, les auditeurs ne s'en rendent pas toujours compte. C'est une association qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire avancer, et c'est pas toujours facile de faire vivre les associations, surtout dans les périodes actuelles qu'on connaît. Et tu fais ça avec beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de cœur, et tu nous pousses tous les jours à travailler davantage, et merci de faire ça. Et puis merci aussi de nous faire vivre toutes ces belles soirées du vendredi soir sur Radio Pluriel. Merci, c'est avec ça. Ton équipe, parce que je sais que tu n'es pas seul, il y a plein d'amis qui sont venus te voir et célébrer cet anniversaire. J'espère que tu vas aller manger quelque chose. Et ouais, je t'ai même des sucreries aussi. Ouais. Je t'ai amené un petit produit local. Voilà. Alors on va peut-être en finir. Je vais faire venir d'autres. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un petit dernier mot? Oui. Joyeux anniversaire. Et rendez-vous dans 25 ans. Je vous remercie. Bravo, bon. Merci beaucoup. Bravo. Moi, ce qui est le plus important. En 2039, c'est ce soir de vous réunir autour de quelque chose. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir tous ensemble ce soir. Il y a des jeunes filles. Il y a de 7 à 77 ans, parce que Claudine. Oh, oui, on peut dire oui, ça. Oui, elle est là. Il y a toute nationalité confondue. Ça m'a fait plaisir. C'est ça qui est important. Je m'en fous des 25 ans. Mais le plus important, c'est ça. C'est ce moment-là. Voilà. Ça restera un des temps forts de la vie de notre association. Il faut oublier que nous sommes une radio, mais aussi une association. C'est la raison pour laquelle il y a cette ferveur aussi. Cet esprit de groupe qui se manifeste dans les grandes occasions. Et tu as quand même le talent qui consiste à fédérer les individus à la fois par ton rôle dans l'association en tant que vice-président qui est aussi le régional de l'étape mais omniprésent à la radio qui veille au grain dans des tas de domaines de compétences mais aussi par une émission qui a une vocation à rassembler. Bah, merci Jean-Luc. De 10h à 2h du matin, il faut être costaud. Hein. Je de 22h. De 22h à 2h du matin. J'espère qu'un jour je viendrai dans une de vos émissions aussi. Faites-moi quelque chose un jour, j'arrive. Il faut un nouveau concert de Aït Meguelet. Et l'autre fois, c'est Kamel qui est venu dans l'émission avec lui. Tac Farinas, la prochaine fois. Le prochain concert, c'est le 15 mars pour nos amis latino-américains. Ah oui. Là aussi, il faut leur rendre hommage parce qu'ils sont là depuis X temps.
Donc, rendez-vous le 15 mars au Concorde. Et ça va être une soirée super sympa, salsa. Ouais, voilà. Avec une belle ambiance. Voilà. Voilà. Alors, je vous dis merci. Merci de ton accueil. Allons voir ce qui se passe du côté du buffet. Allez, avec un peu de musique. Je vais appeler Elodie, Ludo, j'appelle Jérémy, François Châtelard, notre druquier à nous, il va nous rejoindre. J'appelle également mes amis de venir dire un petit mot. Kamel, peut-être une petite chanson ? Vice President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Patrimoine et tradition, 25 ans déjà, un quart de siècle au service de la culture berbère. Et bon anniversaire.
Et oui, voilà, donc Benoît Aleman, c'est un privilège hein, que d'avoir cette grande voix qui fait la voix, par exemple, de Morgan Freeman dans tous les grands films américains, plus des voix d'autres acteurs, plus encore des voix de publicité, des films français, etc. Franchement, grande voix de Monsieur Benoît Aleman qui a enregistré cette petite virgule il n'y a pas très longtemps pour l'anniversaire, en prévision de cet anniversaire. Donc, après avoir écouté le groupe des animateurs, voici maintenant le groupe d'autres animateurs, techniciens, des stagiaires, des techniciennes, des je sais pas quoi. Donc, et là, c'est des gens avec qui on vit tous les jours à la radio, quoi. C'est-à-dire, voilà. Ils sont là, matin, midi, soir, on se croise, on partage des choses, on travaille ensemble. Des fois, on s'engueule aussi. Mais, c'est les gérants de la boutique. C'est ce qui fait un peu le charme de la radio. Mais je vais commencer par les femmes. Hein. Ah bah, voilà, oui. Je suis galant. On va commencer par Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous arrivez, tu découvres un peu la radio. Moi, je débarque. Hein. Tu trouves beaucoup avec de monde. Avec plaisir. Ouais, je débarque et puis je vois tout le monde en même temps. Alors, c'est sympa. Mm-hmm. Je découvre Radio Pluriel. Et du coup, ça vous tente Et du coup, j'espère que vous allez découvrir prochainement mon émission. Voilà, ils sont là, ils t'ont écouté, le président, le salarié. Et pourquoi en tous les cas, tu as une très très belle voix. Hein, merci. Je t'avais dit, voilà. Merci. Alors, tu restes avec nous et Elodie, ça va? Ça va. Elodie 2. Ça va maintenant? Oui, ça va, ça va. Ça y est, tu es devenu diesel, tu animes, ouais, tu parles, tu co-animes avec François. Je fais la technique, je m'entends avec Jérémy, je ne sais pas trop comment je fais, mais. Ça va, quoi. Ça va, super. Tu arrives à travailler avec tout le monde. Oui, mais c'est un plaisir. Au moins, on découvre plein de cultures ici. Tu aimes un peu? Oui, j'aime bien. Ça va? C'est ah, sûr. Ouais, hein. Super. Ah, mais sûr? Okay, moi, je serais partie hein, si ça me plaisait pas. Hein. Alors, la petite Lopez, comment tu vas? Eh ben, ça va, merci. Et tu découvres aussi le... Et oui, j'arrive la semaine prochaine, alors je vois tout le monde, un peu comme Elodie. Tu vois, même les stagiaires, la porte est ouverte. Ah oui, vraiment, les bras ouverts, on m'a accueilli. Hein. Je vous remercie. Ben, merci. Alors, Ludo, alors, je présente... Bonsoir, Azoul. Azoul. Alors, Hervé, il a dit Azoul. Jean-Luc, non, il a dit donne-moi des sous en cabine. Alors, le Azoul, c'est le mot le plus facile, on va dire. Alors, un petit mot sur toi, déjà, salarié, une émission. Petit mot sur moi, salarié de Radio Pluriel. Depuis quand? Depuis 1987, donc... 27. À peu près, voilà. Ouais. Un petit peu plus que les... On s'est connus au château. On s'est connus au château, on était encore au château. Il y avait un jeune qui était avec toi. D'ailleurs, je le vois souvent. Bertrand, voilà. Qu'on salue si des fois il est à l'écoute. Ouais, bah on salue Bertrand. Je me souviens, il y avait une émission portugaise. Elle s'appelait La Festa. Festa Sim Film. Ouais, c'était une émission le vendredi. Cette époque-là aussi, ouais. Je crois qu'il y avait... Il y avait Ravinala, ouais. Que j'animais. Il y avait déjà Sport Actu, je crois. Je ne me souviens pas. C'était Samy? Non, c'était peut-être pas Samy encore à l'époque. Mais, ouais, je sais qu'il y avait Bruno, c'était... Et il y a toujours cette émission. Mais même si c'est un autre concept peut-être, vous avez changé, mais il est toujours le samedi. Ouais, elle est toujours... Alors ça s'appelle maintenant, c'est Tikoubé, donc ça veut dire j'aime beaucoup. Et c'est une émission consacrée à Madagascar toujours. Mais c'est le même concept. C'est le même concept, de la musique, des infos, des interviews. Plus dynamique, avec beaucoup de personnes à l'antenne. Oui, ça dépend des jours, c'est pas toujours facile de le savoir d'avoir des invités. On essaye d'en avoir quand même assez régulièrement. Et puis, Pourquoi le choix de Madagascar? Alors Madagascar, parce que j'ai connu Madagascar en 91. Et puis j'ai bien aimé, j'y suis retourné plusieurs fois. C'est un coup de foudre. Ouais, quoi. Voilà, ouais, on peut dire ça. Et du coup, tu es resté scotché. C'est vrai qu'à l'époque, on n'entendait pas beaucoup de musique malgache en France. Sur Lyon, il y avait déjà une émission, mais que je connaissais pas encore à l'époque. Et je me suis dit, on va essayer de faire écouter un peu la musique de Madagascar à tout le monde ici. Et on a commencé comme ça avec quelques CD parce qu'on n'en trouvait pas beaucoup à l'époque.
Et puis bah voilà, depuis Madagascar est sur l'antenne de Radio Planète depuis 1993. 93. Tous les samedis de midi à 14h. Voilà, midi 14h, si vous êtes de Madagascar ou d'ailleurs, restez à l'écoute. Merci Lido. Merci et puis bon anniversaire. Merci, merci Lido. Je vais pas te dire Azul, mais reste. Et Jérémy Aziza, qui anime une émission. Oui. C'était le manoir avant. Oui, c'était le manoir. C'est arrêté depuis. Le fameux couloir du manoir. Le fameux couloir. Que beaucoup d'auditeurs ont pris pendant à peu près 9 ans. 9 ans? Ouais, 9 ans. J'ai commencé cette émission en 2004. Et elle s'est arrêtée en juillet dernier, enfin en juillet 2013. Mmh. Voilà. Pourquoi t'as arrêté? Bah parce que j'avais envie de me diriger vers autre chose, notamment Absolument Fan, mmh. Que je pense que ceux qui nous écoutent, on peut sans doute écouter. Ah là, les réseaux sociaux. Ah oui, oui, c'est. Bah en fait, c'est fait plus ou moins par hasard cette émission. Hein. Elle a démarré en février en 2013. Avec, bah, je sais pas, tu veux la présenter l'émission? Tu veux tout d'abord la présenter l'émission? Je sais pas. Absolument Fan. Oui. Voilà. Donc tu invites une fois par mois une star. Voilà. Enfin, une fois par mois. Donc on a effectivement, on a commencé avec M. Pokora. Enfin, c'était la première vedette qu'on a interviewée en mai. On avait fait une émission sur avec M. Pokora et ses fans, qui avait bien cartonné à l'époque, sur les réseaux sociaux notamment. Sur le réseau Twitter. Et puis après, on a enchaîné avec Tal aussi, donc, la chanteuse Tal. Donc c'est essentiellement des artistes pour les ados, quoi, pour les jeunes. Donc ce sont essentiellement ces artistes-là qu'on interviewe. On a aussi interviewé Jean-Marc Généreux, qui fait partie du jury de Danse avec les Stars, et Chris Marquez avec Elodie dernièrement, là. Qui est un danseur, chorégraphe professionnel et triple champion du monde de salsa. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et peut venir danser le 15 mars. Et ben on va lui demander. Oui, oui, il faudrait lui demander. ça pourrait être intéressant et effectivement. La prochaine. Et ben la prochaine émission, c'est mercredi avec le commandant Nebout. Alors je sais pas si le commandant Nebout. Debout. Comme debout. Voilà, Nebout. Je vais vous expliquer qui est le commandant Nebout. Alors je pense que ceux qui sont fan de Plus belle la vie, ils doivent connaître. Non, tu connais pas? Non, je connais pas, pardon. Plus belle la vie, si, je connais. Voilà, il y a même notre, celui qui a la paroisse, il joue dedans. C'est qui ça? Il a participé à la marche du beurre en 80. Oui, oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas le nom en tête là. Enfin bref. Voilà, donc en fait, alors justement, mercredi en direct, on reçoit Jérôme Bertin qui joue le rôle du commandant Nebout. Donc c'est un comédien de Plus belle la vie, hein, qui a fait ça. Ouais, tu vois qui c'est, ça y est, tu viens. Donc c'est une série qui est très suivie chaque soir par plus de 6 millions de téléspectateurs. Donc il répondra à vos questions, c'est mercredi. Hein, mercredi de quelle heure à quelle heure? À 15h, de 15h à 16h. 15h, 16h. Voilà. Donc j'invite tous les fans de Plus belle la vie, les absolument fans de Plus belle la vie à écouter et à poser des questions, hein, si vous voulez les poser des questions à Jérôme Bertin. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi et puis... Je vous laisse aller vous rafraîchir, manger quelque chose. Je vais aller chercher d'autres personnes, on va écouter une chanson. Un petit mot pour toi, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, 25 ans, c'est long, en radio, c'était encore. Ah, je sais que je veux prendre la tête, mais c'est pas grave. Non, et puis on espère être là pour tes 30 ans, ça serait une méga fête là, hein. Attention. Ça sera le feu d'artifice. Peut-être les vôtres aussi. Ah, si, oui, il faudra. Ah, mais on a combien qu'on discute là. Après, je sais pas combien on a. Qui c'est qui parle là? Les 15, les 20 ans, tout ça, il y en a. Hein. Oui, il y en a. Et les 1 an. Ouais, mais on peut fêter mes 1 an. Oui, t'es 1 an. Déjà, voilà. Dis-moi, je te commence par. Mais j'en mets du lait, c'est promis. Voilà, bon anniversaire, Mon. Et puis plein de bonnes choses pour toi sur cette émission Patrimoine et Tradition qui a 25 ans et à toi, Kamel aussi. Merci. Voilà. 17 ans, Kamel. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Sois pas modeste. Voilà, merci, Mon, de nous avoir accueillis dans ton émission. Quand même est très, très gentil. Tous les dimanches des élections. Il nous laisse quand même son créneau c'est et vrai. Je tiens à le remercier devant vous. Voilà. Merci. Voilà. C'est vrai qu'on et il y en a bientôt.
C'est merci. Vrai. Merci. Ah, merci, merci. Merci. Bon anniversaire à tous merci, les bon à vous tous. Merci, merci Morne. On va aller boire un petit coup. On va écouter une chanson. Allez. Très bien. Merci. Salut. Vivez au rythme de la culture berbère tous les vendredis 22h, 2h du matin avec Patrimoine et Tradition sur Radio Pluriel. Mais d'un temps, il ferme, mais d'un coup.
couleur. Qu'es-tu devenu, toi, jadis si fier? Il a suffi de quelques malheurs pour te mettre une bonne foi à terre. De ton glorieux passé, tu ne gardes que cet arrière-goût amer. De l'espoir trahi à ce pays, vendu par quelques-uns aux enchères. Je m'en vais.
Thank you.
Et oui, avant de revenir au direct avec les artistes qui vont chanter dans quelques instants, donc quelques messages qui nous viennent de Facebook, qui nous remercie donc pour ce soir et qui nous souhaite joyeux anniversaire. Donc Mouachir qui nous dit salut à tous, j'espère que vous êtes bien tous, joyeux anniversaire Mohand. Je passe bonjour à Kamel, à Mouachir, à Mahfoud, le Bilka, sans oublier Nabaya, et longue vie à votre radio pluriel, Inch'Allah. Angélique Djinnad de Dumont, Le Mans, nous dit bonsoir à toute l'équipe. Je n'écoute pas ce soir parce que je ne peux pas, mais je serai là à l'émission du dimanche comme toujours. Bonne écoute à ceux qui suivent. Louisa, donc encore joyeux anniversaire et merci pour tout ce que vous faites. Angélique, joyeux anniversaire à Mohand. Louisa Isa de Paris, bon anniversaire Mohand, je te souhaite encore beaucoup de succès. Fadila de Toulouse, on est à l'écoute avec tous les amis, c'est émouvant. Jamel, Jam Kabil, l'archiviste, à l'écoute, Sif Mourta Mouliam Gazeyed Dam Mohand Amloul, pour les 25 ans de ton émission. Atiye Dir, 25 ans de plus, Maïvraïlo, bonos. Amar le Kabil, c'est la nostalgie. Voilà, on a Prado Perrier sur Zéla Amara Radio Pluriel. Ramadan, vive toi, Mouah. Sonia de Rennes, joyeux anniversaire Radio Pluriel. Le chanteur Hassan Abbani, Amouli Amga Zayez Mennar, Ahoudou Ahounouf Lawen. Farouja Skoura, joyeux anniversaire. Tafsou Takveli, ça nous dit Amouli Amga. Lamia Qassi nous dit Amouli Amga à toute l'équipe. Hakim Djeroud nous dit aussi Amouli Amga. Nadia Nadou Ihmouthen de Marseille aussi. Joyeux anniversaire à Mouliam Gaz. Et voilà, chers amis auditeurs, auditrices, vous êtes toujours en direct de Radio Pluriel 91.5 FM, l'émission Patrimoine et Tradition, comme tous les vendredis soirs, de 22h jusqu'à 2h du matin. Et ce soir, c'est la soirée exceptionnelle, anniversaire. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous tranquilles chez vous, à la maison. Voilà, donc on espère que vous passez un très bon moment avec nous. Donc là, on est là avec vous jusqu'à 2h du matin. Il n'est que minuit, on n'en est qu'à la moitié de l'émission. Voilà, on vient de faire l'anniversaire de la radio. On a mangé un très bon gâteau, magnifique gâteau. On va aller tout de suite du côté de l'antenne à Mohand pour remercier nos amis qui ont pensé à nous pour ce très bon gâteau. Alors... D'abord, c'est mieux que Yuki avec Amanda. Et Wagel, il a dit à son revenant. Alors, pour le gâteau, pour une surprise, c'est une surprise. Franchement, le Seigneur et Samia, notre amie, donc une fidèle auditrice,
Tel Métis, vraiment, il nous a fait une surprise. Mais, le gâteau à Rohat Silperi, voilà. Donc, Kassine Rassamia, on a beaucoup apprécié. Merci. Et vraiment, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît nos amis, quoi. Donc, voilà, ils sont venus de Saint-Étienne, ils sont venus de partout. Et Samia qui nous a fait la surprise, nous envoyer ce beau gâteau de Paris. Merci beaucoup, Samia. Voilà, ça m'a fait... Merci beaucoup à Mohan. Et je remercie également Nadia, Nafatema qui sont venus de Saint-Étienne quand même pour participer à cette émission. Mais je remercie mes amis. C'est vraiment des amis. Velkassem, Aït Mourad, Mourad. Également, qui sont là avec leur guitare, et à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils sont là. Et sans oublier notre maestro, tu te souviens du vendredi, c'est Mohamed Makni. Ça m'a fait énormément plaisir de le voir, de le revoir ce soir, Softy. C'est vrai que j'aurais aimé aller Qaim tous les vendredis parce que Maret Fta guitare, c'est un virtuose et j'aime. J'aime parce que j'ai partagé des moments magiques avec lui, avec notre ami Malik Chililef, la CIA 4B, et les ponts de la Croix-Rousse, ou l'épicerie culturelle, ou un peu partout, parce que Yewon, Dame Diaz, Yewon et les virtuoses à la guitare, tous ces moments-là, ils sont là, quoi. Voilà, quoi. Aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir et c'est une merci nous. À Mohand. Oui, Gabriel. Il y a une petite lettre qui accompagne le gâteau. Oui. Rapidement, est-ce que je peux la lire? Bien sûr. Donc, c'est de la part de Samia de Paris qui nous dit « Azoul à tous les auditeurs de Radio Pluriel, Azoul à Mohand, Azoul à Kamel. Un anniversaire est toujours un moment de joie et nous avons l'immense plaisir de fêter deux anniversaires cette semaine. Celui de Mohand qui a eu année mardi et celui de son émission Patrimoine et Traditions aujourd'hui. Et je tiens avant tout à remercier Kamel qui m'a permis par son aide d'être parmi vous ce soir, pas physiquement mais avec le cœur et l'esprit. Notamment avec, c'est moi qui rajoute, avec le gâteau. Je viens simplement vous remercier, vous féliciter pour cette belle émission que j'ai découverte il y a seulement 4 ans, en 2010. Mais je compte rattraper mon retard en restant fidèle encore 25 ans de plus. Sincèrement, je passe de grands moments de plaisir en vous écoutant. J'apprécie particulièrement votre franc-parler, votre vivacité, votre détermination et votre grande gueule, mais aussi votre gentillesse et votre grand cœur. Grâce à votre émission, j'ai pu faire de belles rencontres amicales. Et oui, vous êtes le trait d'union entre les Kabyles de France. Nous sommes, grâce à vous, une grande famille. Le mot me manque pour vous dire tout le bien que je pense de vous et de votre fabuleuse émission. Vous faites vraiment un travail de professionnel. Mohand, Kamel, bravo pour tout ce que vous faites pour notre culture. Et restez comme vous êtes. On vous aime. Excellente soirée à vous tous. Votre amie et auditrice, Samia Samou de Paris, signé le 28 janvier à 18h. Oh. Voilà. Merci Samou. C'est vrai que maintenant la grande gueule, ça y est, c'est une étiquette. Mais bon. Salut Métis, voilà, j'ai pas de mots, mais simplement c'est vrai que c'est des auditrices que j'aime, que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'elles seront tout le temps là. Bien sûr, Akenkaran, si Sentine là, ou Anili, et voilà, tout ce qu'on peut faire encore, on va le faire avec abnégation, avec pas mal de belles choses. Voilà. Tanmir, c'est Kamel et on laisse la place à Aït Mourad, Mourad et Mohand Makni à la guitare. Et vraiment, Akenkan, Mdajn et Bahanan, allez, je vous donne ce moment-là, allez, en live. ان شاء الله الشغل يدوم ان شاء الله جويز انيفرسال لقبال 100 سنه Thank you.
I'm gonna win.
وشني مسليني
Kamel Yaouiza qui me demande si Aït Morad elle a des CD en vente. Et ben oui, Wiza, bien sûr qu'elle a des CD en vente. Ils sont un peu partout. C'est vrai qu'elle a une très très belle voix. Pas le bon coin. Ils sont chez notre ami Kamel. Arrête avec tes conneries. Voilà, la Bahan, la Khish Lali. J'ai remercié tous les trois. Et ça, Tadara Adias Velkasmi va nous interpréter une chanson. Alors, attends, on va dire une raison. On a un message sur maintenant. Karim, Inek, bonsoir Adam Mohand, bon anniversaire pour les 25 ans de ton émission Patrimoine et Tradition sur les ondes de Radio Pluriel. Inek, j'espère que ton émission durera encore un autre deuxième quart de siècle. Et longue vie à toi et à notre ami Kamel. Désolé, je ne pouvais pas être là ce soir car je suis malade et j'ai peur de tes interviews. Stindi Taoula. Waouh. Bah, rahda Karim, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Voilà, Tescourt Njalja, c'est Mayo. Voilà, Mishdullah. Elle vous remercie. Attaquons Sahat El Mirtenoun. Il y a également Rezlin, journaliste. C'est une Marocaine. Abdelatif également, Arc-en-Ciel et tous ces chroniqueurs Sininertan. Merci beaucoup. Sans oublier notre mère Teresa, c'est un peu Abbé Pierre Kabil, c'est Wizadaj. Oui, Mohand, on l'embrasse et on a des artistes qui nous attendent pour nous dire un petit coucou de Paris à Mohand. Alors, avec Ahmed. Allez, on va prendre Ahmed. Ensuite, notre ami Nadia, c'est Saint-Etienne. Il est venu spécialement pour dire un mot et je lui ai promis. Alors, on va prendre nos amis parisiens. Parigo, voilà. Allez. Azulflak Ahmed. Azulflak Ahmed. Kamel, Mohand, Azulflawan. Amoulou, Amgaz, Omtaf, Radio Pluriel, Miss Sawad, Khmsa. 25 سنه ديال العمر لسه ما كنيش نكونين 8 تغزل العمر فين فهي في سن واهلا يتهكي قبيلي ثم ذات الحد ذات الجماعه لا معنى ولا نكوني الساكيني السنفك افوز يقرزن غير مقرن ذاكيني لي مونتروي سرير ديال باري اما كني يتوه كذاكيني يوت مغرام ودي غن لاني نزورن مقرن الساكيني جالسن الا خليفه نتاع اليوم اه الا عندنا وبهلوليه
إلا أنت مساوية وإلا لغنية عشر مقرانية أما كني لغنية أتزاتي خليفة نتاليا سيبنانية أمولو أمجاز راديو أنا أدين يون يون تراجلين زوران يوكني أنسى أدين صوت سنة ألا أحمد وقي وكيدي وضرب ديم دوكاليو إيه كان ويوتقى ملين نديري لا 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 alors ساديني دا فنان سقشار شتو حد من سادي ستين دي ثولة ألا et là, il a été morad, il a morad également, la guide du plateau. Vrai, morad, c'est le même Coran, c'est-à-dire, c'est l'Amérique, c'est-à-dire, a été morad, dit au Nazor, il قدش مليح مليح, اما كنينا نمزردينا اللي تمول في ليون, il mendni nair ni, ليون وقشيش, ذبحان ذبحان, ذبحان ذبحان, اين نلقى قد قاقا, voilà, القاقا القاقا, تعدي الو سادينا دو كيف راحني سنين يا زول الو الافرو خمس والو الخليفه نتاعي ايهو ذي الشيخ الشيوخ وخليفه الو زول خليف لا زول زول يا بحاني يا حبيبي لكن كان هذا الستار القفاق ماني غير مني تغمض ما تغمض الشعب نتوالي القاعده ثني ثم قرانين صحيح شيخ محمد صحيح بيسي قراصة دي جون كم توا كم حماد توسا ولا صافي بليزير دي جون كم فو سي فريمون صافي شو كور ما دوال قدي شاكي تخدم ميتو ولا سي مانيفيك أزولي نفقاونيك أزولي ودي سمح سيسد إلا غايت مراد إلا دي أزول يونو قشيش لعلي ذبحا أزول فلاك خليفة أزول قولي زميني قلاني ذيك Ah, je vais là, je vais là. Tu sais que on te prépare quelque chose, c'est sérieux. Hein. Et là, quand à son crime. Merci beaucoup, Khalifa Nathalie. C'est pas un problème. Merci. Bon anniversaire, Amoulay. Pour les 25 ans, Yagir. Voilà. Et puis finalement, de toute façon, t'es la cerise, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Merci, mon ami. Okay. Merci, voilà. Merci. Voilà. Et puis, Mac Zara, c'est encore mieux. Ah, non, Zara, Hakin, Inch'Allah. Adieu, Arbita, Souhait, Anam Zara. Voilà. En tout cas, il y a plein d'artistes là. Donc, Kina Rahmed. Et puis, il va te passer des gens et tout, quoi. Merci, merci. Et puis, Azoula, quoi, fait, ou les dismarchis, c'est une des radios. Artoufat, Rahisram Arbi. Ahmed, alors, d'autres amis. Allô, allô. Allô, à moi. Oui. Sagir Khanaka, Dulfi Mladi. إنك تملل فساد ويدورو وكيسي لما طب دي الزينيت أسكي فلوكو سان ذازني ما تملل فساد ويدورو فوالا هكا هكا وديعني اللي يون ذاتي ديان ذا نظرم قران ذا قديم وقيم ذا رزقي مساوية واو رزقي مساوية وي ألو ألو بيان سور ذا رزقي مساوية ذا ميستوري تاع ذا المقلا ذي ونزور الذق ذي من الخدمة أساتولا الزاتية ذوا كيني تولا على دي عدين ألو رزق مساوي نوت نسينا راه رزق مساوي سي أن دوايا جو دير سي أن أونسيان سي كيلكان كون أيم بوكو أون أونتون سا فوا أون أونتون سي شونسون إي سي أن أونور بور موا دو de l'avoir en live, en direct, voilà. Et puis, c'est pour nous tous, alors. Alors, à ça, on se réserve. Asre Moussaoui Azoul. Azoul à Darsre. Azoul à Vraham al-Mohand. Mohand, Mohand. Mohand, Mohand, le kif-kif. Aqla Rakudagi, Azoul Flakia à Darsre. Aoun il y a quoi, Azoul Flaoun. On est chambé à Zassadid, la bizarre, la bizarre, ان شاء الله اتسيدي هاك اكثر بوينت لنا فرح ما غاتصيد لا تصيد ونفكر في الله ونجي عنا كي تعطو كون صلاحتين تخدم لك يدخل لي تاكي نسلم ذاك نبعد كي بس اتسيدي ذاك لنا ذاك يسري الدار صغير
بصح نجو ان شاء الله كان حبابي ورد هذه اليوم انا سقيت ساول ندي اليوم انا كي لقد روحب يبس ان شاء الله انا وانا غنى ذي اليوم لان اللي عاكي فجع الفن ذي اليوم يفجع الفن في من عزمة يا رحمة ربي لا بروميير كاسيتي نو تسجل ذي اليوم في من عزمة شكي انت تسجل ذا اليوم ديك ستي ابيفون افيك يدير ما تتدور ديك كي افي لاجونس دو فواياج Ça y est, je vois qui c'est. Il est toujours là, je crois qu'il fait de la restauration. Il m'a appelé tout à l'heure, justement, il m'a appelé, mais il m'a invité. C'est un gentil garçon, il est un cinématographe. Voilà, et d'ailleurs, nous, il y a notre hostinaire à tout le monde. Ça a été merci beaucoup. Il y avait un imprévis, il m'a dit que nous sommes sortis, il m'a dit que nous sommes tous les amours, il m'a dit que nous sommes tous les amours, il m'a dit que nous sommes partout. أسمي غزلت اللون أسمي على أنا راديو أجيال شوية زمان اللي عشرة على راديو أجيال إن شاء الله ما زال تكمل أجيال أتكمل وما زال خاشن موت نكوني وما زال ذين وياه. bien sûr un serum le flambeau des قمة أكان تنمر تدرس. إن شاء الله نضمع كنا الخير لنا إن شاء الله عندك كرب الصحة فين أعطيك الصحة دي أنا فين خدمة ولا هذا شو عندنا يعني أنا سمعت إنهم سوين جام إلق جام هيت إلق جام السوتيني نراديو هيجين إشرب بقفيلي لأن في المزايد لأن إلها يعني بس أنا مسار راديو خطر ما في ما رحت أماكن الموت أك أدرس قيا أدرس قيا Nikini Kamel, on s'était vu à la soirée née pour le petit Farid à la fontaine du Djurdjura il y a 3 ans. Et là, tu parlais des radios, il y a Radio Takarvost qui te passe le Azoul, notre ami Khalil Msaouden. Khalil Msaouden, d'ailleurs, نكوني سلسل جهة معك نزمن معاوني ثم جعنا ويذكروني جعنا عطيكم الصحة جعنا في طولة من القبيلة كون دلانك مرة إلا قاني لكوس كسوس Ben merci à Darsqi, Khalil Agui et Nayard, bon anniversaire à Radio Pluriel. Tanmirs à Kamel et Mohand de la part de toute l'équipe de Asadrar Takarvust. Merci à Darsqi. Alors, un qui m'a dit, allô? Oui, Ahmed, دعني نزمل دلني ديال الصوزيل مارين كونيين الى راديو بلوريال ولاد الكوني ديالني هو كنا نقيم الدنفك افوزي كتمول في القبايل يوم الطفل ديالي عاشو جي فيكو دي مومون انوبليابليس عاشو الزول فلا قدام واحد الزول يا فروخيو مولي غام جاز يا راديو بلوريال صحيت تغدي وثي وصحيت قاقا صحيت يا عبد الحاج Alors, les moments nés, Hachek Chine, Kine, d'où est-ce que nous sommes en train de nous faire? C'est vraiment, franchement, c'est réciproque. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Franchement, c'est avec un bonheur que je travaille à chaque fois. C'est vrai. Franchement, heureusement. J'ai perdu tes contacts. Tu m'as dit.
على كل حال قرموك الو زول اموح اصلت راه البال ما درب كل بال من الكروشي دي بين دي بين علاوة علاوة كان دوك ديزس علاوة ديون اللي خدمنا قبل الناس سمعتو علاوة بلون علاوة بن وادي سي نو في رابلي ما تو دي نو اي وي اي اي سولاك سي تسعد يا سريم الو الو اخر يا ابو قوس الزول سلام سلام عليك تمش سلام كن يا ولد الله قرب يا حبيبي ومراون السلسة نوفي شو كو سي توجور ان ريال بليزر لو مالك ولا سيغ سان سي سانسيغ سكو جو تو دي اون لايف اون ديريكت سو سوار مالك ولا سيغ سان تفضى جيتار sans faire appeler les années de ma toubloounes, sans faire appeler ces moments de plaisir. C'est sincèrement l'ami. Que nous faire appeler, je te jure. Ça va. Alors, mazalan dhes, mazalan kat. Tant qu'il y a la santé, on est là. Donc, direct, mon ami. Eh ben on dirait que on a donné à Ken Inch'Allah à Radio Gératisum et puis Inch'Allah à Zine l'Abbazagin à Ondine Gafouz Inch'Allah à Afouz Afouz et Gersel à Bachatisum Inch'Allah à Tisum à Radio Pluriel تنمرتك ايه بي ازولي مسفلزنا كويس اما اصحاب اليوم اما اصحاب اكينا اكوي مسفلزنا اكس محسسن الى راديو بلوريال السلام لك لدينا اتكو تمكاز ولما لما هم مازال مازال في الدنيا اليوم مازال كعلمي فوق المجنوبي يا اخي المدى زكع ايه با ولا يعني كنت دبارة سي الدوز راضا نفع شهر انكار اعمل الدوز هذا قسم كذا في يمسفلزن اي مازيرون بيان سور اكو لي غاز اللي ساكن اللي ساكن اللي تسمى تما الى راديو بلوريال فوالا هكا ثاني ميرتيك ان شاء الله كاعاون ربي وكنا عاون ربك بيان سور بيان سور جيسبر كون فا تواغ اليوم جيسبر كون فا تواغ صحيح ان شاء الله ان شاء الله ميرسي صحيح Voilà, c'était à Lawa le Blanc, allô? Ahmed à Lawa, c'est toi. Allô, allô? Oui, oui, Ahmed, oui, Ahmed. On disait juste que... Mohamed Kamel, Guinéafouz, Igaz Nikounoué, au dernier Amoulou Amgaz, on passe à la radio Pluriel. Sahet Ahmed. Allô? Oui, avec Dinsoud. كيف قلت له دعني مام ذي مونتريت عدى يوس تمغران في كاز مليح مليح سأل لواز خليفة ناس عليهم سوية في الكلية وكيف قلت له تمنية سغزي العمر يوم الطاف نراديو بلوريال اي بيان سور تشكر دي سولاد كتيني تل ميرتيك احمد ميرسي بوكو مون امي صحيت موحان دي كمال اكوي ولي لان دي النار بلا ما تسوغ انا زوريت مراد صحيت Voilà, donc Kamel, c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre Adin Sluk et de Kalagina. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Achar Mokrani, j'ai vécu des moments inoubliables à Berber Télévision Yiddish. On a passé des soirées, on a passé des moments magiques. C'est des gens que j'aime et maintenant de me dire à Kegé aujourd'hui, c'est vrai que ça me ramène un peu en arrière, c'est de bons souvenirs et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que... Hein? Mazali, c'est la roche, hein? On se l'a dit. Oui. Eh ben, Ahmed Xtini, tu termines bien ton séjour à Paris? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis là, 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 je suis
Ah, bien sûr, tous les vendredis, tous les dimanches. J'espère que tu as passé un bon séjour et que tu auras quand même des choses à raconter là-bas. هكا ناكد قميد روحها في نادي ليون روحها في موسم الثروار جيني موقرا يون لابي كيلتور نمسكها من كل سوا كنا نروحها في موسم القزيل الذي يخدم يوس وشلانا لا فورماسيون سي لا جولي رويال ان شاء الله سو ساكي وديرني نتسكي ارتيكل اني ايديتور كان ذاكي في الويتيام ارونديسمون كمولت الفريق هو كني كان سيد المزاد يكتعيشين تسواعين والهالة في نادي مولتنا وديرني نروح نزراد يمثلوا ناس معتو بالنادية يقلان في السبيطار دي فيد جويف لا معنى صحيح سجارز وسجاريز بس رويال وديرني غير اللي إن ساعة في مليلية توقف دار دار تي في لبوي دوال في ذوك اللي وين تيز مسانين في مولت القبيل تنعيش نسل أكد القصاص يقلان فينا ثاني مالك يا احمد ميرسي بوكو اخطر التصين في جونير مازال لكن تو غادي ني غازنا تموت اي بي عندنا غاد رغم مسني نيش مال تو غاد تموت ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك صحه فودي غازن ثاني مالك في العمر الاول ميرسي بوكو احمد يا محمد ميرسي بوكو احمد بون فواياج اي جي تيام بوكو مون امي ناديا ensuite bah justement ça tombe bien entre femmes parce qu'on a madame Tamila qui vous passe le petit bonjour. Alors Tamila, on va la prendre, on va prendre Nadia parce qu'elle vient de Saint-Étienne également. Bien sûr. Parce que j'ai partagé aussi des moments avec elle en tant qu'auditrice, amie. Elle aime sa culture et surtout elle aime lire le jour Edna. J'ai lu Falmar Mansour, Naswa, où j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Nadia Azoul. Azoul, Mohamed Azoul, Akwethe, Wedede Tchessen. Au CERB, ben, merci pour ton invitation d'abord. Et puis je suis venue tout d'abord en tant qu'amie et en tant que personne qui aime sa culture et ses origines et qui essaye le plus possible de la défendre, enfin en tout cas de donner un petit coup de main. Moi, je voulais te remercier, Mohamed, parce que pas seulement en tant qu'animateur de radio et en tant que personne qui défend sa culture, mais surtout pour ton grand cœur, ta générosité. Parce que moi, c'est une petite anecdote donc que je vais vous raconter. Mohamed, il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années, j'étais dans une association et je voulais justement faire une émission de radio. Donc je n'y connaissais pas grand-chose, hein, on va dire. Et Mohamed est venu tout naturellement, tout gentiment, m'apprendre les rudiments de l'animation et de la technique à Saint-Étienne. Donc il est venu à plusieurs reprises de Lyon jusqu'à Saint-Étienne pour m'aider à mettre cette émission en place. Radio. C'était radio, donc sur Radio Dio. Mmh. Hein. Une émission, on lui a cherché un nom, donc qui s'appelle Culture sans frontières. Je m'y suis. C'est mon bébé, on va dire que bon, je n'en fais plus partie malheureusement, mais c'est mon bébé. Je l'ai créé, je l'ai fait avancer, je l'ai. Donc, mais pour dire que Mohamed, il est prêt à aller partout où la culture essaye de se développer, essaye d'être défendue. Donc moi, c'est surtout pour ça que je veux vraiment le remercier. C'est, on le dit, beaucoup de personnes l'ont dit, c'est un grand homme, et puis surtout c'est quelqu'un de très honnête, de fidèle, et vraiment il fait, il est là quand on a besoin de lui, il est là, voilà. non, c'est pas c'est pour vrai, je me souviens je crois que je suis venu bien sûr, Mohamed, c'est toi qui m'as aidé à mettre les premières émissions, premières émissions, c'est grâce à vous. Et c'est avec votre aide que j'ai pu mettre cette émission en place. 2005, non? Donc, 2004. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment grâce à vous que cette émission a pu voir le jour et puis se développer. Elle existe encore, hein. Vous pouvez toujours, les gens peuvent l'écouter encore sur Radio Duo. Bon, je n'en suis plus l'animatrice, mais c'est pas grave. C'est la culture qui continue. Voilà. Moi, c'est surtout pour tout ça que je veux te remercier. Et puis pour ta fidélité. Bon, à partir de là, on est restés des amis, vraiment comme frères et sœurs. L'amitié n'a pas de prix. N'a pas de prix. Voilà, tout à fait. Moi, je te remercie vraiment pour tout ça. Et puis, je te souhaite, mon Dieu, que ton émission dure encore des années, des années, des années.
100 ans, tiens, voilà. Merci. Pour être vraiment au top. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça me fait. Nafatema, mais je reviens à mon ami Velkassim également. Il y en a Tamila qui est en direct au téléphone. Oui, Tamila, et puis Velkassim également. Je crois qu'il voulait dire quelque chose, ensuite on prend Tamila. On va faire le tour de la table. Roi Azoul, tu étais là, je sais que tout à l'heure tu vas prendre la guitare aussi, tu es obligé de passer par là. Azoul à Mohand, Azoul, oui, il dit, c'est ce que je veux dire. ينفقوني كده عرضة ساقية يديني أمولية من جاز دي تزوارا ثم دا كل تاكي نوف جيارا غشارة دنيني يا فرانش وقمنا تكلش لا يا دي شنزو أستلسا الله ما شفعوك استدر ما بخمر حاجة أدلسا كرا غيم سلين كوما ما ذقوين إيدن نايتو أسمحي ولا شغيلي فولا شغيلي ما دون مضي والله ما شفع إل بيان دو دير جتو جو جيو سا بيان دي كور سي فري كو Je devais le dire, voilà, c'était... Donc, à Kémir Akdine Ramoulien Gaz et les 25 ans de la radio, Sotfov Amitsure Kékdine Khanemir, Afoudi Gerzen Arzdev, parce que Mazalek Djadov, donc Kékdine Mohand, c'est un homme de culture, de Yanni Vemden Boudelis. يقدش غف مزيرفون جينيرال التقبيليث ونتوبليجي سي تو تافي نورمال الخير محسوب داينير تفكا سنير سي 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 تو تا تون اونور ا محمد ديال قديشاكي كيمي بون كونتينياسيون ا غرزبث اي فوالا الو جوست بالقاسم تلميتي كيما جو بونس parce qu'on a vu avec des amis, je crois que c'est la seule émission dans le monde berbère, que ce soit la Guine, le Ferrin, la chaîne 2, la chaîne de l'Inde, c'est-à-dire la chaîne 2, maintenant, elle fait de 1947, Cheikh Nourdine, elle fait de Fort Biouko. Mais c'est des émissions très bien, محسوب لانت مي لا سول كي ريستي 25 ans d'affilée c'est patrimoine et tradition dans la continuité tout à fait c'est vrai c'est une très bonne chose c'est vraiment un service de la culture moi je crois que c'est là qu'on voit vraiment l'engagement des personnes qui la font marcher cette radio parce que quand on voit des gens qui sont là comme dit Mohamed pour 5 ans au bout de 5 ans tout change on fait partir les gens qui sont et là et c'est pas facile de tenir 25 ans et tout à bénévolat voilà bénévolement tout à fait. Mais c'est le bénévolat en plus, il faut vraiment le souligner. Et donc moi je pense que si Radio Pluriel donc a une telle longévité, moi je pense que c'est dû aux gens qui la font à Mohand parce qu'ils sont vraiment investis, comme tu disais, dans la culture, dans la défense de notre culture, dans mais transmettre. Je suis content parce que il y a aussi des amis. Tu prends Kamel, ça fait 17 ans. Je pense que il a cette fibre militante et il est vacciné. À Villefranche, à Déroch et Lyon, son temps, son argent, au service de sa culture. Tout ça, bénévolement. Voilà. Je pense que quand tu vois des jeunes qui arrivent comme ça et qui ils sont prêts à tenir ce flambeau, quoi. On est fiers, quoi. Je pense que, voilà. Donc, il y a la relève. Tu vois, il y avait des jeunes qui commencent à venir. On va prendre Tamila, ensuite Adora Nafatema. Il y a tout âge, il y a toute nationalité ce soir. Alors, Tamila, Seigneur Azoul. Azoul Mohan. Ah, mais je suis là, ta frouch. Azoul, donc, fidèle d'Andina, avec des sorties de la mort, des radios de Kitchiné, oui, des coquilles de Mandina. Chiménez, c'est ce qu'on fait, Harkan. اه كي عوز ربي فروخ الفيت وزوجه اكدينا كان كوالد فروخ عطاوتي تكتبها صغيره كما كي قلنا مي غات ان شاء الله تغزل العمر اي محمد وكذا الراديو سي تجيك نص نوار اتنشد بحسن سفرو تا نازي خدم غات نهضر تجو تجي كتسرنو
الراديو يسعى دار فيق في الناس داك القزايل صحيت نهضرها سندق نويا سندق شويق يكولي وناس دي سل واحد داري كتاغ الخيق يتشبيح يتسواوال تاني ميس الفوال يوزل القلام انا هضرها سازكار دا المولود اسنهدو السلامة فيا وصف سكار ذلو الناس اسنهدو السلامة فيا وضارو سكار اول مغي اشبه العلام اول مغي اشبه العلام كل يون ازالي سيفكار فوالا تاني ميس Merci beaucoup à Tashkour. Tamina, je pense que tu as donné l'émission à Guy Wahd il y a 15 ans déjà. Ouais. 1998. Oui, 98. Voilà, ça fait 17 ans. 17 ans, 17 ans. 17 ans, non, 98, 16 ans, 16 ans, 16 ans exactement. 16 ans, 16 ans, je ne me trompe pas. Écoute. سامحي على الدات 98 تلك السنه قالت 2003 فوالا 98 à 2013 اش حاجه 2014 اش حاجه 16 ans 16 ans 16 ans avant 16 ans eh oui ça passe vite hein à la maison de quartier Claude Farrer l'association Tille et Lire 16 ans Stachis Guasson 98 2014 mais deux c'est à la radio oui Alors, je lui rends l'ascenseur. Elle n'est pas uniquement chanteuse. Elle a un cœur comme ça. Ah oui. Et là, elle oui. est malade. Elle est toujours ah là. Oui. C'est leur famille. Mais Tamila, merci. Nsnit, Nsnit, Halaya. Nadia, non Nadia, oui. Tamila. Azoula Nadia, qu'est-ce que c'est ça va Tamila, ça va Ah oui, oula. Naïma, t'es comme ça. Mlih, mlih, mlih. Voilà. وقد زرتناك سودنيت مليح ومنطقيو اعطيكم الصحه وانتوكا نعلم داش تخدم تاكويت ولا اعطيكم الصحه اما لا كنا انا باكو لي ملمسات ان شاء الله اصغر ادي غزي في الامريكان كوره 100 سنه كذا ان شاء الله ميرسي انت ادي جوج قال انا تراب ياني اللي كانت جوج يا تنور في القبيله السلم دمال اقيمتك لهنا السلم واقفين اللي يسلم راح يسلم ارمي انا نعطيك السلام واحد صحيح صحيح الى دانيال الى كريمو الى ثلاث لويزات ثلاثة سكوت نجارجو ثاني ميرتين كنتوك أتي فرح نا فاطمة أمش الزور في اللون مصر خير في اللون أكو ويدك يجي سلن يعطيك الصحة محمد إمرد سنتي تاني دروها سنتي تاني دروها سي فاطمة سنتي تاني روحا دعلا جاليك محمد نكغوري السويد حولا قسمي كزري تمن الخطرة تمن زود إمرد روح دارو كفادو وجيو يفلك يجو تجيب ما تشدش تطوح يدور حضر وكفادو صافي وحيد 17 18 سنه يا جماعه هكا جا ارت مرتو كفادو الجهه نتاع عمران داير لها ميري وي وي ما هكا سمي كروينك من كمية قرا كد مسحا كد جاير مي يعطيك الصحه شغل يا ربان يعطيك الصحه نفرح يسك حوله 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 قبريد مي جامي تفقد قرباريو جامي تفقد قولي كني قرن ستغزي لعمرك ان شاء الله كيف كان سرنا فاطمه يعطيك الصحه يعطيك الصحه ايه هذا شرك ديني غير كنس قرن في وزاره قبريد لو كان يحسب تفلاح يجو موتيكر زرع يعطيك الصحة يعطيكم الصحة كوي ويدك يعطيكم الصحة كوي ويدك أثنى ثورة هي مدهدو في القاسمة جيم دي شنوي وثيهم الساك ونديني أسمحتي ونديني ونسفرو ألي سر حاس إن ياس أسفرو أرى ونديني أغذن كيثي دينان إن ياس ميقرا تكسر دوساون يفد نكاون ذا شو أرثني قبرن حاشاك شريري جهدن نغل جيبي تشورن زمانا يا غي خدمنا كا يرمي نروان المحنة مي لان يرقز العالية يدير في ذنتي للي اكم كما لكو ذكتي اكو ذوي ظنيني لا نكوي يعطيكم صحة ذا يسعي غون ديني وقيدة والعالي ولاش ولاش اشي شبان تاك شرير تخطر يون ما تجد تاك شرير محسوب نغدي مي ذا والعالي ولاك مني سير مام تزمرت سير مام مفوذي قرزن تغزير لعمر كمي جاربي يتوشو التيمي وراويمي وينوك تحملو امين اربو يرسا وضعك سجمي ويدا كي ديسلني القبيل لك الملان امو اللي ام قران موحند استغزي العمري كي كتشي دراديو او كدويدا كي ديسلن دي نبقاونا قل حرما يكيش بعد تنسويا جاكم ميدانا
Alors, le virtuose à la guitare, hein, avec qui j'ai passé de bons moments, que ce soit à la Croix-Rousse, non, la Guinée, la radio. Depuis tout à l'heure, tu n'as rien dit. Et j'aimerais que... C'est vrai qu'on a voir à Sinis Gwessin, mais bon, pour des raisons professionnelles, voilà, pour respect. Des raisons familiales. Oui, bien sûr, respect. Il est à Fanat Simrora, Allah y barak. Dans le sucre, c'est trouvé, il est ça. Trouvé, il est, mais. Ah, ben c'est bon. Alors, dis-nous un petit mot. Avec Dénard, déjà, bon anniversaire à Mohand. زرارة بليد لانيفرساري كشيني لانيفرساري وثنو ثدن صدر يادا مي ونور ثدن صدر مي ليسونسيل سي لي 25 ans de 25 ans la radio الله يبارك صافي يموت كمل دسير مناف لا سي افوربي يموت لو 28 جانفي سي سا انكلو لو 28 جانفي لو نسيت مغلات يلو لو 17 جانفي لو 15 جانفي كشيني لو 1 جانفي ما طوب لو 24 جانفي يدروشنوك جوني ماجوي وصلا بلا ما انتو كمال انيك ونادي سولني توت الور انيك محمد سي لا سيريز كمال سي لا شاندل وي لا شاندل اللي لابا alors, Vedrasam, tu vas nous interpréter, tu vas nous chanter, Arjnuriwuz. Alors, Vedrasam, c'est encore une découverte. Ah, du pluriel, voilà. C'est la deuxième fois, et je suis sûr que il va aller de l'avant. J'ai voilà. Encore le temps. Il aime le texte. Et c'est vrai que je sais que rare où je me trompe, mais je suis sûr que dans 4-5 ans, vous allez voir. Allez. شني خذ من رئيس وش
شني قثم الرايس وينسينا نتزكي ثقلا إذ يسور تكري وراء هذي ميكس غيفس هذي ميكس غيفس جنك اللي وحش ضطمنا غري فري غري قدك شوي كوري كثري مانيس انت في بسمة خسير يغدي سدينا يغلي غدي هبني دمير غدي هبني دمير Chanson. Il y a deux appels. Allez. Il y a deux appels donc, qui nous viennent. Il y en a un qui va venir tout à l'heure de Toulouse avec notre ami Farzela. Oui. Voilà. Voilà, exactement. Et puis il y en a un autre là qui arrive dans quelques instants de Lyon 3e. Exactement. Donc avec notre ami Ramzan en direct de. Du restaurant de la Pardieu où il a fait une soirée ce soir. Il va y avoir donc Gadri, le chanteur africain, qui va chanter Matoub samedi prochain. Ah, samedi, tu m'as fait peur. Samedi prochain, oui, samedi prochain. Non, mais c'est tout, raté. Donc Gadri, samedi prochain à la Pardieu, un grand chanteur africain qui connaît Matoub par cœur. C'est un franco-guinéen. Voilà, franco-guinéen que tu as déjà vu à Paris, donc au restaurant Axel Café. Et là, donc, il y a Ramzan qui est en train de, qui vient de finir sa soirée là-bas, comme tous les vendredis, avec le patron Salim. Il voulait nous passer un bonjour à Mohand. Oui, Ramzan, d'abord, audio, salam. Alors, Ramzan. Oui. Alors, juste une toute petite question. Ça fait 25 ans
Est-ce que tu nous, en tant qu'artiste, chanteur, ami, est-ce qu'on t'a apporté quelque chose? Est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce qu'on a essayé de te faire connaître en 25 ans? Alors, un petit mot par rapport à la radio, le travail, dis-nous, Inard. Chef Dinani, qui est à la radio, tellement vous m'avez mis en tant que frère, ami, je me sens chez moi. Donc, et ça a produit un effet contraire à moi. Aïe, car, ma knig de Iderana. Moi, je suis là. Je suis là. Yoga. Ça va, Mda? Ça va, je suis là. Assalamu alaikum, là, bas, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Je supporte plus la soirée tout là. Ah, kiff kiff. Ah, c'est Jack Tigger, c'est ma mèche. Ah, Jack Tigger, c'est un nom. Ah, c'est Jack Tigger. Non, c'est la chanson de Jack Tigger, c'est un nom. Alors, j'espère samedi prochain, un midi. En tous les cas, merci mon ami Foudigar. Je n'ai pas de honneur de l'âge. Et ça m'a fait plaisir ton appel. Merci. Et Salim, il veut dire un petit mot? Attends, je vais vous dire un joyeux anniversaire quand même. Ah, allez, vas-y. Joyeux anniversaire pour la radio. Et puis, Inch'Allah, Salim Achaoui. Alors, Sinéry Salim, il va nous parler Chaoui. Terminez bien. Merci. Alors, Salim. Allô. Allô, Azul. Azul, Kamel. Toutes mes félicitations pour bon anniversaire déjà pour la 25e année de l'existence de Pluriel. Et Arjo, Asami. Salim, Arjo. Arjo, Mselah, Chaoui, Chaoui. الشوي إني ده مسلات الشوي إني ده مليم جاز أم كتير ذكي ورا نشدم بارش أبزي excusez-moi je parce qu'il y a du travail à faire. C'est pas grave. Je sais que vous préparez quelque chose pour samedi avec Gadri. C'est un ami que j'ai connu il y a une dizaine d'années déjà. Et je peux vous dire que c'est un réel plaisir de venir le voir. Et j'insiste vraiment à tous nos amis kabyles ou berbères, indamalins, de venir le voir parce que c'est vraiment quelque chose de magique. Voilà, eh ben, tout simplement. C'est avec grand plaisir, et en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille avec Kamel Abdi, mon associé dans ce restaurant, donc pour samedi prochain, et j'espère que tout le monde sera ravi de passer une soirée en espérant mémorable. Allez, dis-nous un petit mot en kabyle, s'il te plaît, allez. Est-ce que Kamel Abdi est par là? Non, il n'est pas là, d'accord. Inès, Radio Pluriel, tu es un voyou alors, voilà. Voilà, exactement. Bonne soirée, bon anniversaire, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, mon ami. Au revoir, Achaoui. Salut. Alors, je disais tout à l'heure, il y a tout âge, il y a pas mal d'amis. Quand même, on a tissé avec un Khan des liens, et là, elle nous arrive... 2-3 ans, je crois, là. Ça, c'est ici, Nîmes, Tsarvaïdit. Moi, quand Mararoh sur la toile, Tsarut Tabdiest, Abel Qassem, Vaflok. Je te jure, j'ai vu des verres, des trucs, mais. Franchement, des fois, Mararoh, Kherag Firen, Mahsouf, تلقاي تمديس شبحن سقبالي ناصروني أزد هم واحد سقبالي ناصروني سقبالي تتسارو Bon, bonsoir, je me présente. Donc Sonia, Soso. Ça fait 2 ans et demi que je suis à Lyon. Voilà, j'écoute l'émission de temps en temps quand je peux. Par contre, sur la toile, ce que tu disais, Je n'hésite pas. Pas moi qui écris. Hein. Ouais, c'est des extraits que je prends de chansons ou de poésies que j'aime bien et je les copie. Enfin, ou je les écris. Ouais. Je les transcris. Mais après, ça ne vient pas de moi, je n'ai pas ce don-là de. Voilà. Et pourquoi pas? Mais tu les transcris bien. Le fait de les transcrire, c'est important quand même. Déjà, enfin, moi, je.
Il y a quand même un amuc de sens, c'est bien. Et là, tu fais un chouchou de moteur avec les lions. Bah, bref, je vais des chouchous de mardeïn. Parlez-nous un peu de toi, comment surtout, tu trouves les Kabyles de Lyon, le mouvement, voilà quoi. En plus, elle vient d'une région pas facile, voilà, en Kabylie, en Algérie. Il y a plein de sujets que je pourrais entamer, mais bon, après, bon, je vais être concise. Déjà, je souhaite un bon anniversaire à la radio, à l'émission, une longue vie à l'émission. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Quand la semaine, on passe une semaine difficile, alors le vendredi, quand on n'a rien à faire, on est à la maison, on écoute. C'est convivial. oui, Nabaya. Ah ben là, c'est... elle va se présenter aux élections législatives. Donc c'est convivial, surtout qu'il y a Nabaya ici à l'émission. Elle nous met de l'ambiance. Hein? Merci Nabaya. Merci ma fille Tiziri. et voilà, et surtout quand vous invitez des chanteurs qu'on aime bien. Donc il y a des chanteurs, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec, par exemple, Yasmina, par exemple. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Je te promets, voilà. Ben pourquoi pas. Je sais que tu es je m'en rappellerai. Alors maintenant, je vais te laisser écouter cette chanson. On a Fadela là qui patiente. D'accord, on va la prendre. Et c'est toi qui vas faire le commentaire. Va faire le commentaire sur sa chanson. J'analyse une chanson. Tu vas te débrouiller. Alors là, ce qu'on appelle, c'est la rubrique Manil de Théoula. Tu vas l'analyser et tu vas lui poser une ou deux questions. Alors, tu l'écoutes. Et oui, c'est ça. T'es une chroniqueuse ce soir. Voilà. Ce soir. Mais t'as le temps de répéter pendant que. Voilà, pendant qu'il chante. Alors, critique, hein. Deux questions. Une du son de Gollarine. Et un petit commentaire sur la chanson. Ah bon. D'accord. Oui, de Tsana Bayer. Avant qu'il va chanter Belkacem, Atiazor et Yacine et Rachida et les enfants Akab et Sabrina, je vous aime beaucoup, beaucoup. Alors, Tsana Bayer, avant de prendre Fadela, tu sais que très bientôt, vous allez gagner des t-shirts Kabylie, en fait, des t-shirts patrimoine et tradition dans toutes les émissions. Alors pendant 30 secondes, Mslayt Tqbaylit blama tkhalat tarom tarf. Vas-y, je t'offre un t-shirt. Azar Tqbaylit, salam. Ou dehdras tarom tarf. Non. Dar ghara. Sûr. Sûr et certain. Aya. Aya tarbah. Ou gol de sjma. Ou gol de sjma. Par contre, Mas Nevas et Fadela va gagner. Ah, Fadela, bah oui, Azul Fadela. Azul Fadela. Azul Kamal, Azul Damouhand, Azul Kamal. Azul, Tashkour, Ntoulou. Azul Kouaïn, Gaonich, Harma, Glandina, Serb, Lukan, Ladina. لكن يدور على تبطت مسمنين تهنا ضغط خاص وليش نشد سينار زل زي كذا رحنا له وانت تشكرت بورن القهوة كيلو سكر سيدي هكذا نوع القرمود سوف الله هذا نوع القرمود والله استنتم من القرمود وين هيك انت وش تزيك Exactement, il est là où je te demande. Bien sûr, c'est un autre sujet. Il y a une ambiance qui est vraiment une أنا تسني موقف اللون عشت قرا كابل خميدي وستاوش تنع اللوى أنا وذي سن أنا وذي سن أنا وذي روحي أزل فلك يا يوفا أزل فلا ما فضيلة مكثير كثيري يا ذكي أمور أشحالي يجي لا بس هك مهنا بيك مني صفا الحمد لله أقرأ مقطع أنا وقلي وشيكو بحريا أنا ولا أرصبا ما هذا انتك وذنا بحريا ولا أرصبا إيك تغرب تسيك مورثني نظام Voilà, même si je n'ai pas arrêté d'écouter des Mohand d'intervenir quand je peux. Donc, je vais donner un témoignage à nous, à peu près des années. On te dit que tu n'as pas de Mohand, Zmarak, Nkina Kara, Gimzia, Nino, la radio. أدفذوغ سيلاشان دو شيخ نور الدين أدوغ الغميذ سيل حسين أدوغ الغميذ أثني عفوية أربية وكلية دارفح
De la de Radio Berbère, hein. Voilà, exactement. Wagada gin kini vi mdiyeno vi la radio de Koumataf. Kchini adam wahed chbedar bizmak smi contemporain. C'est-à-dire c'est les qui me naqli ki jdidin. Tchbedou de siousia. Tchou gmo data si qdimen. Tahdar dam ya qdimen el mas'oulina akoun zi. Le vinaire des jeunes. Exactement, le même trouble qui chemotte les temps modernes à Guinée, la drane qui n'est vraiment personnellement, qui n'est si vous voulez, Je suis très heureux de vous parler. Wallart, j'ai écouté ses conférences, Wallart, grâce au Sénat, mais Wallart Argaz, je connais tous les années, il y a pas de mots à dire, c'est un monument. D'ailleurs, j'arrête pas de dire où on aura Tahar Jaoud, il a rien dit, franchement. Ah oui, أتيني لوبيوس لها وتعطي لها في الأولاد دابا واحد دوك اللي عايش كيني عينو عين التجميل تزبرع ونخدم باسكو لي فيديو اللي تسكلتها سور انترنت ومازال ان شاء الله مازال الخير على بزاف طاس تدوي اللي كدا نوري على دابا واحد لوزان تفسويتي ديال الحن نسير ما دوالو ان شاء الله هذا نور في دويلي اللي ظل سكير بودي فغال اللي في فاسي دويلتي قعدت ديجا الليغ دو طاس دي يوتيوب نخدم كدا راديو بلوريال اليوم هذا في الشراء هذه في دويلي ديك في بحالي انا مش قارن كتشيلي في بحالي انا كي حال زربي هذا واحد ادي لي غابو اللي ابقز في دويلتي ديك شوك الكمال بيان سور كمال السنه بس 170 سنه اسكي سا 17 سنه واو ميرسي 17 ابنو كان زيرو سي بون فوالا سي سا ميرسي بوكو سكي يورو بغا الشغل في كمال سكي يورو بغا يباطي لا روكور يسعى 100 سنه مازال يتهز سوفيلو وي انا شفيون مازال يتهز سوفيلو الى باتو son record, il a battu son record, il a fait plus de 25 km dans un vélodrome, dans un stade vélodrome, pendant une heure. Il a fait 25 km en une heure. Il a fait 27. Voilà, c'est tout. C'est la recette. Ça m'a fait plaisir, les médecins de la série. T'as des talents d'animatrice. Ouais, mais on l'a pas, on l'a pas, on l'a pas tous les jours. Art Soudan, une fois tous les 4 ans. Mais ça fait un siècle, Art Soudan, c'est normal. Allez. Et la cathédrale va une lyonnaise. Oralud.
لا لا يهضرت راديو حميد 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 يهضرت جوستومون الى بارلي دو لوباجيا اسمي سي لا بارلي اه وي حميد حميد راديو غازل وي صح حيت بصحه يهضر داف لي 25 كيغيد ود ولادت السرباس زعدي هذا لا قشش العالي ميريت ان روح اورس كونتي با فير فرانشمون ان شاء الله وزعدي هذا بوحد سلي بوك فايدي شي دي تحسس لا تغا لا صار سي بلجيك بيان سور تبدا كنتي وكهيده والتبع تيزي زويت تيزي زويت دي كثير الفرد وكذا جمال سيل زيارة جمال سليما تسفلس سي لا بيبليوتيك اكزاكتومون الصحفي اللي خدم يبدو كان وكي غادي تحسس انا بدا بلا بدا واحد كبلا كان يتزويت يتزويت الشعب بها ذي الخط داكو اثنى بالقسم ولا شو غادي يفتح اوكي خومي صحيت دو ان دو ان بور جاسكا ان شاء الله ان شاء الله جا ولا لا ماشي قادر دونك دونك ميرسي كومونتير دو كيسيون ابري سي بارتي
الكنذي يزمير نقدر نذسوق شوالي تسوذر ثنسا سزنا ذي تعوزا مسلو مهرت يا مطار شوالي تسوذر ثنسا أكمي ثفاغ في الأسنى سخنا يا عار كل وحوش تنشبان قل انت الحباب ذو الشنان قل في ركض النذيان صوال هرقص ذكي ضي ثطر صبح سنو لا نابس النور سبح سحل ثمان الاجر عرمس نفس مسكين نقول سطر النور انسكن يقضى زلاجة انسكن يقضى زلاجة Merci beaucoup à Velkassem, merci pour cette belle chanson. Et maintenant, c'est l'heure de l'épreuve pour Sonia. Il faut qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a pensé, qu'est-ce que ça lui a inspiré cette chanson. Kamel, il n'a pas oublié. Et en plus, tu peux poser des questions si tu veux. Hein. Ah, Kamel, tu n'as pas oublié l'épreuve. Eh non. Bah en tout cas, tu as une très belle voix. Ah, c'est très gentil. Voilà. C'était une chanson douce. Bon, je dormais pas, Yuva. Ça va très bien avec le style. Ouais. Ouais, sa voix et la mandole, ça va très bien avec le style de musique. Mm-hmm. des questions à poser. Oui. S'il y a des choses que tu n'as pas comprises. En fait, ça vient de la même source quand il joue et quand il chante. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand il joue et il chante, c'est un décalé. Ouais. Ouais, c'est en harmonie, on là. On dirait que ça vient pas de la même personne. Là, ça se voit. Avec ça. Bah, je sais pas quoi dire de spécial, mais bon, là, je vois par rapport à sa chanson, c'est un constat un peu pessimiste, je dirais. Je sais pas, tu me dis si tu es d'accord avec moi. Non, c'est un constat, tout simplement. Constat. D'une situation. Voilà. Un constat avec un goût amer. j'ai pas relevé de note d'espoir, ni à la fin de. Il y a des chanteurs qui, des fois, à la fin de leur chanson, ils finissent avec un peu d'espoir. Mmh. Toi, non. C'était constat amer du début jusqu'à la fin. Donc, bah, c'est ça. C'est ce que tu voulais retranscrire. Bah, voilà, de toute façon, c'est réussi. Ben, merci. Voilà, c'est réussi. Avel Qassem, elle n'a pas fait de faute, c'est bon? Ça va. Elle a bien compris? Ça va, je pense. Elle a bien compris ce que tu as chanté? Ouais, c'est ça. Sahlawal. Oui. Alors, t'as raté. Non, j'ai pas raté. Alors, d'abord, c'est quoi Elle a déjà dit ce qu'elle pensait en plus. Alors, comment tu trouves d'abord sa voix? Voilà, tu as entendu, j'avais dit qu'il avait une belle voix posée, une voix douce. Que la chanson aussi, elle est bien avec le personnage, c'est en harmonie. Voilà. Et qu'il avait abordé un thème, je disais que c'était un constat un peu pessimiste ou amer des choses. Mm-hmm.
et qu'il n'avait pas fini sa chanson avec une note d'espoir, c'était voulu, il m'a dit que oui. Pour résumer, oui, il m'a dit que c'était voulu parce qu'il voulait vraiment retranscrire la réalité. Oui, mais si tu as bien écouté la chanson, en fait, il a le texte, c'est un peu les alliés de cette société dans laquelle on vit, surtout Ithmous. Donc, en fait, il a raison ce qu'il dit dans la chanson, parce que Thémours de Shannon, Chantamours, Farquant, c'est. Il parle des corrompus. Donc, quand on parle des corrompus, on lâche l'espoir. Donc, voilà. En tous les cas, on va te donner des plans tout à l'heure. Bravo, hein, Sonia. Franchement, elle a bien résumé la chanson. Bravo, bravo. Merci. Et Mohand, on a un autre grand artiste qui nous attend au téléphone. Eh oui. Il faut deviner. Winnie Fanny Smith. Je peux? Tu n'as pas le droit de jouer. J'ai pas le droit. T'as pas le droit de jouer. Donc alors, on va lui dire Azoul et vous allez découvrir qui alors, c'est. Alors, dites. Alors, il va dire Azoul, Dimsley, Aftid. C'est un grand artiste. Hein. Un grand artiste, allez. Voilà. Azoul Fulay. Azoul Fulay, oui. Amkhtseler. Ça va, oui. Ah, ça va très très bien, merci beaucoup. Alors, ce soir, c'est l'émission anniversaire. Donc, Akhlikid Desrid, voilà, c'est de Wiltagina, nous moulin, nous sommes à Chirinis Gwassen, c'est de Wiltagia. Donc, Khtchine, Vanazor Amkoran, Indhmelatasa Tassa, Pskir Dakaïd Nar, Yel El Djmahan, Yel El Had, Fan Mirfi. Fan Mirfi, voilà, donc, un des stylettes à la ville Paris. Oui, Carmel, dans les frontières. Germano-belge. Ah, bien, entre la Belgique et l'Allemagne. Oui, mais c'est juste vraiment à côté de l'Allemagne, quoi, à peu près un kilomètre, deux kilomètres. Mais tu es à l'étranger, là, alors? Oui, je suis à l'étranger, je rentre dimanche soir. Ah, tu rentres dimanche soir, d'accord. Ok. Donc, est-ce que Sonia, elle a trouvé notre invité surprise? Sonia, est-ce que tu as reconnu? Ah, mais je pense qu'il ne faut pas que je joue parce qu'il me l'avait dit en avance. Ah, d'accord, donc, ok. Belkacem, Makni. Non, mais j'ai deviné, il y a Fadra qui a trouvé déjà de Toulouse. Et... Ah, bah oui, Van Lavoyens, Kamel. Van Lavoyens. Ah, obligé. Allez, on va aider, ça commence par Y. Bah, bien sûr. Allez, attends, 1, 2, 3, c'est. Yes, mon ami Alas. Azulation. T'as vu, hein, c'est bien ça. Hein. Oh, c'est super, ouais. C'est un nouveau concept de l'invité surprise et on va jouer à chaque fois. Donc voilà, Mohand Yelass, on le présente plus. Ah bah oui. Alors je vais arrêter de parler maintenant. Ah bien. D'abord, pour commencer, eh ben je souhaite pour donc l'émission Patrimoine et Tradition une longue vie. Et je pense bien que vous allez battre le record de Philippe Bouvard. Ah oui. Radio, là, sur RTL. Et c'est super, c'est une émission que j'adore. C'est vrai que tu nous écoutes régulièrement, c'est vrai. Ah, régulièrement, oui. Ouais. Tous les vendredis, généralement, j'écoute cette émission. En fait, j'aime bien qu'il y ait Mossé Léa. Ah ben, ça fête, ça nous encourage. Mais je suis là, je me suis la nostalgie... C'est vraiment, je me sens chez moi, comme on dit. Hein. C'est réciproque, merci mon ami. Et puis donc, longue vie à la radio. Longue vie, tu as l'émission qui a moi, tout ça, radio, donc patrimoine et tradition, c'est super, c'est sublime. Et, ben, et aussi, c'est très gentil donc, de me laisser la parole, de parler, donc pour les 25 ans de cette émission. J'espère que ça va continuer très très longtemps. Parce que ma farouha, il y aura beaucoup, beaucoup de gens donc, qui vont être un petit peu certainement... Il y aura toujours de la relève, Zalad. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, d'où nous nous retenons ailleurs, obligé, c'est un steak et tard. Hein. Quand tu n'auras plus de voix, je pense. Hein. Ouais. Quand tu n'auras plus de voix. Alors, tu vas... Alors, je vais faire la même chose avec Sonia. Alors, je vais te faire écouter un artiste en live. Alors, le plus beau du village, voilà. mets ton casque d'abord, s'il te plaît. Alors, Aït Morad, on va te garder un peu avec nous. Alors, il va chanter une chanson.
Et je te laisse faire le commentaire et lui poser une question. Comme on a fait avec Sonia. D'accord? Tu l'écoutes? Yak? Assalayet? Oui. Yalas? Oui. Yalas, un chanteur comme toi. Ah, d'accord. Donc, on écoute cette chanson ensemble. Céleste, tu fais un commentaire et tu lui poses une ou deux questions. D'accord? D'accord. Tu vas te mettre à notre place en fait. On change de. Hein? Ok. Alors, donc, Yalas qui est en direct avec nous est malade en live. On se fait la carrière, Yalas. 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 Yalas, c'est tous les jours. Et là, ça m'a posé de la question, les un ticket de ce quadra. Bon, je t'ai dit, je t'ai dit, j'espère que t'as dit. We'll be right back.
شنوق بالسينما جنان أيوب الفتي فوق بايري ودمي سيس وحجتي زغر وبدني أشقر شكرن بدوا دوز القوة ما كتنا وطلب بشيطان شوي غسل سيل عشرة غسل بدنا مع ناس يرزي صفا الدنيا تلقي شكرن بدوا دوز القوة ما يغسل بضقع شرين النوي غتب اندلت سوايد الكيف عوس تقع دين رني غلهم من الخالة لكن كان بضقع شرين النوي غتب اندلت سوايد الكيف عوس تقع دين رني غلهم من الخالة في مقلق دين سيوين أنا نذرب عن صرايا أني كفري لي ويني ويت جولك في غصب سيب عشرة يغزي ودن قهوان عرنسي كرسي صفا ودنير ودكي شكرا دوا أبوس القوة مددنا وقلق نمشي دولا في غصب سيب عشرة يغزي ودن قهوان عرنسي كرسي صفا ودنير ودكي شكرا دوا أبوس القوة يغزي ثلاثين وقد غالي ظهر كثار ايدي قهندن في مقنين فرنسي وتشوه بالبحر وفي غفل في الثلاثين وقد غالي ظهر كثار ايدي قهندن في مقنين فرنسي وتشوه بالبحر يا ربي لك بدهوني والفن والفن يقبر جرب غشم السنين تلوي Merci beaucoup, hein. Franchement, Aït Mourad, Mohand. Moi, je laisse Yalas, moi j'ai promis, donc comme on a fait avec Sonia, Yalas, c'est à lui de faire un commentaire et de nous poser des questions. Voilà, le concept, ok. Yalas, tu nous entends? Oui, je vous écoute, oui. Alors, comment t'as trouvé la chanson? Je trouve ça très bien. Ah, et là, je vais faire en live. Oui. Ah, en direct. Il n'y a pas d'erreur et tout, c'est bien, ça me rappelle bien la musique, quand je joue beaucoup la musique algéroise, tout ça, Garouabi, etc. T'aimes beaucoup le Chahbi Khtini? Ah oui, beaucoup, oui. D'accord. Kahmela, oui, Kahmela. C'est une tradition, hein, c'est, j'adore Chahbi. Eh ben non, mais je trouve ça très très bien, ça fait un peu... ça ressemble à Chahbi algérois, quoi. Ouais, Chahbi ne change pas beaucoup. Donc, après, il y a des petites notes comme ça, un peu
qui ressemble un petit peu à Matou, à la fin des... Je trouve ça formidable, j'adore. Eh ben tant mieux. Nous aussi on adore. Parce qu'en plus on live et la jouer en live, il n'y a pas d'erreur, tout a été bien joué, je trouve. Hein. Bah oui, malgré le son, c'est pas facile de tout régler, mais... Jamel, le son, c'est toi le souci. Les paroles, je comprends pas très bien, mais bon, les paroles, il y a la musique, donc la musique, c'est super. Moi, je lui souhaite donc bon vent, comme on dit, c'est pas un marin, mais... Et qui va continuer à faire chaver, parce que c'est quand même une très grande tradition chez nous. Il y a beaucoup de gens qui ont des... C'est vrai, tu as raison, il y a la CD, elle est algérois. C'est vrai qu'il a dû grandir avec le Chaabi, et quand il chante... Mais ça sent, hein, ça sent. Ça, le c'est vrai, c'est vrai. Ça sent. Il ne dit pas le contraire, regarde-moi pas comme ça. Et voilà. Vas-y. D'accord. C'est pas donné Dis le contraire, voilà, ça aide. T'as le mérité qu'il y a... Donc, un plaisir d'être là encore une autre fois. Donc, bon anniversaire pour les 25 ans. Oui, de l'émission, et puis bon vent à toi, mon ami. La tempête est rouge, la tempête. J'espère qu'un jour on aura le plaisir de se rencontrer tous. Chine Ayelas, Chine et Morad, nous connaissons tous les amis, tous les invités. On va se faire une belle soirée d'agué, d'accord? Il nous a promis de venir à Lyon. Ah, c'est il nous a promis. Je pense bien que je vais venir au mois d'avril. Tu nous as promis. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Ça va être un événement. Allez, bon, merci beaucoup. Bonjour aux Allemands et aux Belges. I'm
حلوين إلا ندمك وجيه يبحث ولا ندمك وجيه ونسعي سوريك
Merci mille fois.